La bataille de Hir est sur le point de commencer. Comme vous pouvez le voir devant moi, il y a du monde. Il y a du monde devant les palissades qui ont été montées ces derniers jours devant la ville de Hir, par notamment l'armée impériale de Caesos Contius, le frère de Birzim, qui se tient avec son frère sur les palissades. Il n'y a pas que il y a pas que nous deux, si je peux me permettre. Il n'y a pas que vous deux, puisque non, il y a la Légion devant. Je parle de là, entre nous deux. Entre vous deux, il y a aussi Hervé, bien sûr. Vraiment intéressant de le souligner. C'est toi qui as mis les figurines, pardon. C'est un familier, c'est vrai que c'est intéressant. voilà ce que tu constates. Je vous explique comment va se passer cette bataille. J'ai prévu 3 points. D'action. Et donc j'ai divisé un petit peu les PJ avec des alliés potentiels, soit les uns avec les autres, soit avec des PNJ. Et donc là, le premier front où ça va se passer, ça va être donc avec les frères Scantius et la Légion qui est là pour essayer de gérer cette nuée de bêtes féroces et démoniaques. Mais géants, ils sont pas là encore ? Bah tu vas avoir, je t'invite à tirer l'initiative. Ah là, bah oui, c'est mon point fort. Alors. Oui, pourquoi je fais l'initiative ? Max, tu as préparé la fiche de KSO et tu vas jouer KSO. Donc tu peux faire l'initiative pour lui. Grand plaisir. Oh ! Il a fait une belle fiche. Ça fait combien ? Évidemment, 5. 5 ? Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Vous êtes un peu lent dans la famille, il a fait 3. Oh, yes. Wow. Très bien. J'ai fait une initiative pour les méchants. Et ils vont jouer en premier. Donc, les méchants vont tous avancer charger, globalement. Je te laisse réfléchir à ta première action, puisque voilà, je vais juste bouger des figurines pour l'instant. Ok. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, ça laisse le temps à... Oui, il est gros, celui-là. À Birzim de se... Ouais, c'est un Minotaur. Ah oui, il y a là... Oh, putain. Mais... J'ai de faire le tour. Ils peuvent pas se planter sans flex, c'est ça ? Non, non, non. Ah. Bah, ça les ralentit un peu, mais... Qu'est-ce que... À quoi... T'as une question, Adrien ? Non. Je réfléchis... Le truc, c'est que moi, au bout de 2 sorts, c'est terminé pour moi, quoi. Bah, Eldritch Blast, c'est infini, hein. Oui, c'est vrai. Mais ta première action pourrait être d'activer Storm Blast, par exemple. Oui, oui, bah oui. Sans vouloir te... Non, mais bien sûr. Hein. Bah, ça va être ça, hein, de toute façon. Très bien. T'as le droit à une action bonus. Ça va te prendre une action. Ouais. Et t'as le droit à une action bonus aussi. Mais je suis pas sûr que t'en aies beaucoup à disposition. Ah bah, j'en ai 0, je crois. Ok. Tout simplement. Très bien. Je crois que c'était une action normale. Non, c'est pas ça. Bon, allez, on va. Oui, on peut dire que activer l'objet magique, ça va être une action. Je voulais comme faire... ça, il te reste une action. Je voulais faire. Remarque, ça... Non, Gaiden, ça sert à rien en combat. Non. Bon, bah donc pas ça. un truc que je ne trouve pas. Putain, c'est chiant. Bon, je vais faire. J'active Stomat et je vais. Bah, Eldritch Blast. Eldritch Blast. Sur... Lequel ? Le laser. Lequel ? Sur un Warat, sur un Minotaur ou sur le Troll ? Alors, attends. Ça, là, c'est le Troll ? Non. Non, le Troll, il est là. Le Troll est là. Ça, c'est des Minotaurs. Ça, c'est un porte-bannière. C'est un gars qui porte d'accord, un drapeau. D'accord, oui, je vois rien. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Je me disais que c'est une très, très grande personne, pas du tout. Non. Et après, c'est que du Warat. Il y en a moult et pléthore. Bon, Non, je vais d'abord éliminer le menu fretin. Vas-y, je te laisse tirer les dés. Lui, il m'énerve. Ok, ce sera lui. Non, remarque, non, plutôt ceux qui sont prêts. Lui. D'accord. Voilà, lui. D'accord, ça marche. Vas-y, je laisse faire tes 2 Eldritch Blast. Alors... Ensuite, ce sera KSO d'agir. Ouais. J'ai une petite question pour toi. Je lui avais pris un feat qui s'appelle Inspiring Leader. Ouais.
qui lui permet en fait de faire des speeches pendant 10 minutes. Donc est-ce que c'est possible qu'il ait commencé avant à motiver ses troupes ? Oui, bien sûr. Du coup, ça donne un avantage. Et qui donne, non, qui donne des points de vie supplémentaires. Ah, très bien. Et qui donne, du coup, 9 points de vie supplémentaires aux alliés. Donc normalement, c'est 6 alliés. Ouais. Bah, ça va être. Par 10 minutes. Du coup, je ne sais pas combien. Je crois, en tout cas, tu considères je pense que qu'il tu, a commencé tu à les points de vie depuis un moment. Oui, oui, oui. Ok. Donc, je vais le prendre en compte. Très bien. Donc. Eldritch Blast. Donc. 15. Ça touche. Ça touche. Et. Oh putain, 5. 5, non, ça touchera pas. Non, non, 5 de dégâts. Ah, 5 de dégâts, d'accord, très bien. Donc, toujours sur le même. 20. Oui, ça touche, touche. Bien sûr, bien sûr. Mais il est bon, il est bon. Il est très bon, il est très bon. Après, c'est des, c'est de la saloperie. Hein. C'est du frottin. 8. 5 et 8, 13. Tes deux Eldritch Blast, le transperce. Il a l'air de souffrir, mais comme toujours avec les légions d'Arawiti, ça l'excite plutôt. et maintenant, je vais faire le tour des légionnaires. Il y en a combien ? Je regarde s'ils touchent. Ah, ils font des jets pitoyables. Ouais, mais on va considérer qu'ils ont un avantage. Oui, voilà, c'est mieux. Oui. Vas-y, Max, je te laisse faire les actions de Kaiso. Bah, en fait, il n'a pas d'action à distance, donc... Donc il va attendre. Bah ouais. Ok, très bien. Le Warat que tu as transpercé de tes Eldritch Blast se fait... Il y a un légionnaire qui en profite pour aller planter sa lance. Et c'est la première victime de Allez, cette bataille. Dégage. Yeah. C'est terminé. Il y en a d'autres qui se plantent. Et les légionnaires sont en formation, ils ont leurs boucliers et ils font des mouvements précis et avec vraiment beaucoup d'efficacité et de dynamisme. Et se remettent en position défensive afin de cueillir les Warat quand ils arriveront à un moment à remonter ce fossé. Alors, je sais qu'on s'en branle, que c'est que un familier, mais Hervé, il virevolte un peu au-dessus pour pouvoir me donner... Bah, genre là, mais hors d'atteinte, mais genre à peu près au milieu de tout le lama. Voilà. Pour que, mais en hauteur. Si j'en ai besoin, il peut me donner avantage sur qui D'accord, ouais. Très bien. Tu te saisis de Stommat. Ouais. Et tu concentres ton énergie pour convoquer les géants. Et au loin, à quelques centaines de mètres, vous entendez des pas lourds et puissants qui s'approchent et qui arrivent. Qui, entre Pénélope et Lisa, préfère les flammes et qui préfère la glace ? Flammes. Les flammes ? Ouais, je plus. Vous pouvez le chifoumi si vous voulez. Non, le petit casque de viking là, avec les cornes, là, j'aime bien. D'accord, très bien. Bon, bah, je vais vous donner des bons hommes, alors. Oh allez. J'avais dit qu'il était très grand. Un Nightwalker, là, ça. Ouais, j'avoue. Le géant de feu, voilà. Ils sont vraiment beaucoup, de beaucoup. Il est tellement géant, on a des Barbie, c'est pas grave. Ah oui, oui, très grand. Et voilà les caractéristiques du géant glace. Le Frost Giant. Reprends. Comment il a besoin de la figurine, tu veux la garder. Excuse-moi, rends-moi mon... Cool. Ouais, que Corp, c'est du roleplay, hein. Et juste pourquoi moi j'ai KSO, en fait. Parce que j'ai pas eu le temps de peindre le dernier géant. J'avais prévu 3 géants et j'ai pas fini. Elle tue des dragons dans les one-shots, et en plus elle est... Tu viens de spoiler des gens qui ne l'ont pas vu. C'est vrai. ils viendront dans Lance 1 des 4. Moi un des 4 du départ. Ah oui, c'est costaud. Mais c'est ça. J'ai même pas vu, moi. Ah, on va prendre cher. Je prends moins un. Ah non, sur les 2. 2. Donc ils viendront, pas ce tour-là, mais le tour d'après. Oh, c'est bien. Voilà. Très bien, donc ça c'est le premier tour. KSO, tout le monde a joué, tac tac tac. Maintenant c'est les Warat à nouveau, enfin les méchants. Préparez vos actions, ouais, les amis, pendant que je suis en train de déplacer des milliards de figurines. C'est à la flamme de lance. Ça me fait vachement agréable à jouer. Oh là là, c'est quoi un défi ? Tu veux des défis ? Après, j'alternerai, je jouerai avec ouais, mon perso. Ça semble d'être 20. Pitoyable à côté. 12 plus 6. Hop. Tu veux que je t'en prête ? Non, j'en ai. Les. Ah, les dead.
Ah, dead, il est mort. Mort et enterré. Hop. Ça, c'est un 20. Il y avait un jeu comme ça où si tu faisais tomber la figurine, elle était morte. Ouais, ah, ça me dit quelque chose. Perds pas la boule. Non, non, un jeu de nerd. Pas perds pas la boule. Ça, hop. Ça, c'est mes dés géants. Ça, c'est des dés géants. Mm-hmm. Et donc, que fais-tu, Berzimos? Bah, j'ai fait mes réactions, moi. Là, c'est un tour, nouveau tour. Ouais, ouais. Nouveau tour. Okay. Moi, je vais juste fluidifier un petit peu ce qui se passe entre les Warat et les. Et les Légionnaires. Si je fais une Fireball sur le Minotaur. Autour, ça prend cher aussi. Ah oui, tout à fait. Ben, ça, c'est bien. Ça. En fait, on peut considérer le Minotaur et ceux qui lui font. Les adjacents. D'accord, donc c'est bien. C'est bien, oui, ça me plaît. C'est une très bonne action. Donc, let's go. Donc, Fireball. Hop, et donc. À tout moment, KSO, il peut descendre. Je me demandais par où il peut descendre. Ah, mais oui, mais je sais pas de jet à faire en fait. C'est eux qui doivent faire des jets de. C'est vrai. C'est vrai. Je vais faire ça, pour le Minotaur et pour. Et c'est difficulté combien le 15. Difficulté 15. Je pense que c'est échoué pour tout le monde. C'est Dex. Hein. C'est Dex. Pour les Warat, c'est échoué. Pour le Minotaur, c'est échoué aussi. Oh, bah. Allez. Ils vont prendre l'intégralité des dommages durant le fige. À savoir 9 des 6. Allez. Alors, 3, 4, 5. Donc. Oh, c'est pas mal ça. 10, 13, 17, 20. Ouh. 25, 28, 30, 36. Ouh. Mais que se passe-t-il? Il se passe qu'une énorme boule de feu éclate au milieu des rangs. Et que bah, tous les Warat alentour, y compris celui qui portait la bannière. Allez là, allez, tiens. Qui fait genre il est grand alors que non. Mort de la poussière et brûle dans les flammes de Birzim. Mais déjà, c'est un peu humiliant. C'est un peu humiliant déjà de brûler leur drapeau. C'est vrai. Et tout un symbole, leur bannière est au sol en train de. Les autres sont vexés. De se consumer. Ils sont humiliés. Lentement. Tu veux que je fasse un jet d'humiliation? Le Minotaur tient toujours, il te regarde. Comme s'il avait trouvé une nouvelle cible, à son goût. Ouais, je comprends. Les potes qui arrivent. Hein. Hop. Deux victimes supplémentaires dans les rangs des Warat. Ça va être vite plié. Ça passe plutôt bien. Oui, attends. Et deux. C'est le menu fretin. Deux aussi chez les légionnaires, voilà. Qui tombent bravement. En disant « Pourquoi Opana ?» très bien. Pendant ce temps, à un autre endroit de la défense de la ville, Corbe et Mina, vous êtes avec la Bagatour et avec Chulun, puisque vous avez été assigné à sa défense personnelle. Et il a été remarqué par des sentinelles que quelque chose de préoccupant est en train de se passer. Il y a une source d'eau fraîche qui alimente la ville, puisque c'est une ville côtière, l'eau de mer ne se boit pas trop, et il y a quand même une source d'eau fraîche qui alimente la ville, et en cas de siège, ça peut être dangereux que cette source soit compromise. Et justement, aux alentours de cette petite rivière et d'un petit bassin d'eau, s'approche une créature, qui est une espèce de démon assez particulière qui est surnommé le porte-peste. Le porte-peste. J'aime beaucoup ça. Donc c'est plutôt un individu qui va avoir tendance à souiller les cours d'eau et ce genre de choses pour affaiblir les défenses d'une ville. On va passer à un autre plateau. Oh, wow. Deux décors en même temps, en duplex. Ouais, alors j'essaie de ne rien faire tomber. Bonsoir également. Aïe, 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 aïe. Bravo. Ouais, voilà, pour l'instant ça va. Deuxième décor. Ouais. Ça tout. Oh, de l'eau. Voilà. Vous êtes accompagné
Oh, ma petite Mina. De Chulun. Il y a une petite la Bagatour n'a pas de figurine, je suis désolé. Quoi ? Elle reste derrière les fortifications de la ville, c'est quand même normal. Mais elle a repéré, enfin, elle vous a indiqué, là, c'est très dangereux. Et Alexander est de la partie, ah, évidemment. J'allais te dire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, on va peut-être s'en servir, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous mettre ? Un porte-peste. Oh, il ressemble à un warat. Je l'aime bien. Il est d'ailleurs. Il a des sabots, c'est ça? Il a des sabots. Bah, c'est vraiment un warat, mais. Qui pue. Sale. Avec beaucoup de bubons et de. Oh. Et de plaies purulentes. Ah, il a des potes quand même. Bon, vous allez nous éclater ça vite fait. C'est l'affaire de 10 minutes. 12. Quand j'arrive. Peut-être. Je vous invite à tirer l'initiative. J'ai mis Mina et Chulun en premier. Ça me semble logique. Comment ça se passe ? 21. Wow. 21. D'ailleurs. Bravo. Pardon, vous êtes sur l'autre rive. C'est plus marrant. Mina ? Ça, il est obligé d'aller. 12 ? Ok. Et soit. Eux ? Oui. Eux, vous le saurez bien assez tôt. Chulun, Chulun a fait 17. 17. Oh là là. Il est d'une autre. Et eux ? Allez, on va le dire. Ils ont fait 2. Voilà. C'est réglé. Donc, c'est à toi, Corbe, de jouer en la première. Que souhaites-tu faire ? Je vais pouvoir me sortir une petite figurine que tu connais bien. Ah, qu'est-ce que tu vas nous sortir, tiens ? Je vais incanter ma cornemuse. Allez ! Évidemment. La cornemuse. Est-ce qu'ils ont un petit moment de surprise quand ils l'entendent arriver ? Est-ce qu'ils font ? Ouais, ils froncent les sourcils un petit peu. Mais ouais, les mecs. Ils aiment la souffrance après, donc. Tu la mets où, cette cornemuse ? Ben écoute, dans le cœur de l'action. Ah, sur le visage de quelqu'un. Directement là, au contact. Allez, boum ! Parti. Et tu peux faire ton attaque immédiate. Allez, c'est parti. Je vois pas si... Ah si, c'est plus 7, pardon. Plus 7, ça marche pas. 19, ça touche. Ça touche largos. Alors. T'attaques le dégueulasse ? J'attaque le dégueulasse. Surnommé le dégueulasse. Le dégueulasse. Putain. Attends, combien là ? C'est énorme. J'ai oublié que c'est si puissant. De quoi ? Non, mais c'est beaucoup de. Non, mais j'avais oublié que c'était niveau. 2, 8 plus 4. 2d8 plus 4, oui, c'est bien. Et ça fait. 16 ? 16, très bien. Ok, très bien. Eh bien, je suis en train de regarder s'il est. C'est des dommages radiants. Oui, non, il va les prendre. Tu as besoin de l'info ? Très bien. Non, putain, il a l'air. Il ne pourra pas m'aider. Il s'en fout ? Ouais, il est costaud. Mais il est surpris quand même. Il est surpris et effectivement, il essaye de se défendre, mais ça lui passe sous le bras. Un peu humiliant aussi de se faire frapper toujours, par toujours. C'est, toujours ça dépend, c'est pas un truc ça dépend de son système de valeurs, mais oui. Très bien. C'était une action normale, ça ? Non, une action bonus, je crois. Ouais, je peux me battre normal en plus. Ouais, peux tout à fait tirer un carreau d'arbalète. J'essaye de juste de me débarrasser de. Et ensuite, ce sera à Chulun. Je suis là, où, lui, pardon ? Tu es juste là. Donc c'est bon, je peux tirer... Oui. En plus, t'as sharpshooter, donc la portée est longue, et c'est comme si tu étais à portée courte. J'en profite pour faire avancer Chulun. Il va mettre les pieds dans la rivière et s'avancer. Et non, juste avant de partir, les Américains disent « I would like to rage », et c'est ce qu'il fait. Il poussait un grand cri et vous voyez les veines de son cou et de son front qui gonflent. Et il rentre en rage de barbare. Et il s'avance, il s'élance. 13. 13 de dommage ? Non, 13 pour toucher. 13 pour toucher, toujours sur le démon ? Ouais. Non, ça rate. C'est pas grave, la prochaine fois. Oui, je crois. C'est dans très longtemps. Est-ce que tu veux te déplacer ? Je m'approche un petit peu. Ouais. Mais pas trop. Là ? Ouais. Mais oui. Derrière le rocher. Derrière le rocher ? Oh, ouais, très bien. Non. Très bien, très bien. C'est noté. Ensuite, c'est Amina. Bien sûr.
Alors pour le moment, non, je vais m'avancer juste au bord de l'eau, là. Oui. Alexander reste ici. Il reste bien sagement. Waouh, wow, j'ai tiré mon truc à l'envers. Et je vais sortir mon arbalète. D'accord. Mon arc, pardon, c'est pas du tout une arbalète. C'est pas grave, je t'en veux pas. C'est super gentil de ta part. Moi, je suis un ange. Je suis un amour. Et je vais... le porte-pièce, il faut pas qu'il touche l'eau. Ça, on va éviter. Mmh. Ouais, faut essayer. Bon, bah, je vais le viser, lui. D'accord. Est-ce que tu fais un petit sort en action bonus avant d'abord ou pas? Tout à fait. Ah oui, ah d'accord. Je pensais que c'était évident. C'était pour me tester? Exactement. Voir, tu t'en souvenais, j'ai posé ma marque du chanceux. Ah oui, d'accord. Oh. On n'oublie pas. Surprise. Il est marqué. Je veux dire toi. Et tu bandes ton arc? Tout à fait. Pour toucher, je fais 18. 18, tu touches. Ça lui arrive dans l'épaule. Il pousse un petit grognement. Et je fais en dommage. Je fais 10 de dommage avec cette flèche. Très bien. Deuxième attaque. Elle avait où? Non. Je fais 11. Tu fais 11 pour toucher là. Ça arrive vers lui et il t'a vu tirer la première fois, il esquive. Ça meurt dans la boue. Mm-hmm. Est-ce que tu souhaites te déplacer? Non, c'est bon, je me suis déplacé au... Tu restes là? Ouais, tu peux te déplacer après ton action. Plus loin. Très bien. C'est noté. Maintenant, vous voyez que le porte-peste se met à fixer Chelun. Et il le regarde avec une grande intensité. Et donc, Chelun doit faire un jet de wisdom. Qu'il rate totalement. Et vous voyez qu'il y a une énergie verdâtre entre le vert et le jaune, mais assez. On est dans une auberge. Il y a la boisson qui se sert. J'arrive pas à identifier. Tout va bien. C'est un shaker, je crois. Bien sûr. Et il y a une énergie putride qui sort du sol et qui a l'air de l'envelopper. Et vous le voyez pas bien parce que vous avez pas son visage, mais il a. Ses muscles se sont détendus et c'est comme s'il baissait les armes et il a l'air totalement inerte. Aïe. Voilà. Ça sent pas bon, ça. Ça, c'est la première action pour cette histoire. Il va exploser ou un truc comme ça, je sais pas. Et donc... Ou il va couler. Ils vont tous se déplacer. Ah, ils vont le finir, là. Bref. Ça sent pas très bon. Ah, c'est lui. Je crois que c'était dégueulasse qu'il fait ça. Non, c'est lui. Il fait ça à distance. Aïe, aïe. J'espère que... Et il se penche. Je vais pas le poser sur l'eau parce qu'elle est pas totalement sèche. C'est vrai. C'est de l'eau en résine. Mais il a les sabots dans l'eau. Il est drôlement proche. Il est drôlement proche, c'est vrai. Il est dedans. Maintenant, les Warats vont s'attaquer avec avantage à Chulun, le pauvre. Touché, le premier. Le deuxième touche aussi. Ouais, ça va être le cas troisième. À dire à Chulun, c'est maintenant, hein, je pense. Parce que... Le troisième aussi. Genre ciao. Ouais. Genre ciao ciao. C'était sympa. So long. Hop. C'est pour tout le poisson. Trois attaques. Il prend un. Il prend au total 32 points de dommage. Ça va. Qu'il réduit à par deux parce que c'est un barbare en rage, donc il ne prend que 16. Mais vous voyez les coups de hache qui commencent à le lacérer. Et il n'a pas l'air de... Il était dans une position un peu agressive, martiale. Et là, il est presque inerte. Et vous voyez, c'est un peu émouvant de voir une personne se faire lacérer sans se défendre. C'est assez particulier. Et le porte-peste donc est maintenant en place. Et vous voyez qu'il sort de ses... Il y a des poches, des bourses. Et il est en train de sortir des ingrédients, des choses putrides et dégueulasses. Et on va reprendre le tour à Corbe. Que souhaites-tu faire?
Il est certainement en train de préparer un rituel. Une incantation, quelque chose. Bon, déjà, je vais bien me remettre derrière mon rocher. Déjà, avant tout. Je vais quand même faire travailler un peu la cornemuse. Ouais, ça c'est mon action bonus. Elle, on peut pas ensorceler. Et non. Elle se déplace de 20 feet, donc 4 cases. Un filtre d'amour, peut-être. Oh, c'est drôle. Il est tombé, aïe, voilà. Aïe, 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 aïe. Et c'est le drame, c'est le fiasco. Non, bon, on sait que la marque du chasseur, on sait que c'est elle. Voilà. Et elle aussi, c'est... voilà. Oui, ça va, je ne verrai pas, contrairement à toi. Vas-y, fais l'attaque de ta corps, le mur. 18. Je touche. Voilà. Ça touche. Ça touche tout juste. Les amis. Tout juste. Ah ouais. Oh. T'avais battu à moins tout à l'heure. Hein? Non, il. Ça avait foiré à 13. Non, ça avait foiré à 13. Il a 17. Génial. 12 pour de dommages. Mm. Ouais, très bien. C'est noté. Ouais. J'aime pas quand je dis c'est noté. Hein. Non, ouais. C'est... Ouais. Et pourtant, il y a une j'entends. Autre formule qu'on oh, t'en es loin. Il y a du dédain, quoi. Ouais. Genre, très bien. Et pour ton action. 12. Ensuite, ce sera Chulun. Et ensuite, ce sera. Et alors 21, donc ça touche. 21, ça touche. Du fait. Les autres. Et redouze. Redouze. Ouais, oui. Très bien. C'est petit à petit, hein. Attends, c'est quoi là? C'était ton action? Ouais, c'était mon action. Non, l'action bonus, c'était de faire. Ah, tu tirais à l'arbalète, ouais. Et pour toucher, t'avais fait 21 et 12. D'accord, ouais. Très bien, c'est noté. Excuse-moi. Ah, je triche pas. Hein. Non, c'était juste. C'est moi, j'avais perdu le fil de. Ton carreau d'A. Tu sharpshootes pas sur lui, hein. Tu me j'aurais le diras pu, si jamais. J'aurais pu. Bah, t'avais fait 21 pour toucher moins 5. Moins 5. Non, c'est moins 5, ça faisait 16, ça touchait pas. Ça touchait pas, pas de regret. Voilà, pas de regret. Très bien, donc ton carreau vient se planter dans son poitrail et éclater des bubons qui commencent à suppurer. Il y a du pu qui dégouline de sa gueule ignoble. Et Il meurt vite. Et il saigne aussi, hein, mais c'est surtout beaucoup de pu. Oh là là. Une boule de pu. un peu une boule de pu. C'est la fin de ton tour, je crois. À moins que tu veuilles te déplacer. Non, t'es bien là où t'es. Derrière mon petit rocher, voilà. Oui, on se peut plan. Bien au chaud, là, voilà. Ouais, tranquille. Mina, que souhaites-tu faire? C'est pas à moi. C'est pas à toi, c'est à Chulun. Oui. Chulun est inerte. Super. Il va faire un test de force, pardon, pour essayer de se libérer. Ça, il est un peu. Oh, il est costaud. Il se libère. Oh! Vas-y, mon Chulun. Bravo! Il pousse un grand cri. Merci pour lui. Ça peut dire. Et il va faire deux de ses deux attaques. On l'aime bien. Non, il est amoureux de la bagatouche. Non, il va pas pouvoir faire deux attaques. Non, il reste dans une position défensive et en essayant de. Ils vont moins faire les malins, je pense. Ils vont peut-être moins faire les malins. Ensuite, c'est à toi, effectivement. Je suis désavantagée là si je vais dans l'eau et que j'essaye d'atteindre le porte-peste. Est-ce qu'elle a pied? Non, mais tu peux te mettre sur le. Tu as pied, mais ça t'arrive à la poitrine, quoi. Mais tu peux arriver là sur la berge, sur le bord les chevilles, quoi. Toujours la cheville. Ah, bah, toujours sa technique des chevilles. Oui, tu. Eh bien, je sors mes fois-ci. Allez. Pourquoi? Trancher du bubon. Et vas-y, tranche du bubon. Ouais. J'ai fait répéter la blague d'abeille, hein, je le précise. La bagatoire. Tout à fait. Non, c'est pas du tout une combattante. Elle est foulard, en fait. Elle regarde la bataille pour la survie de sa ville. Pour toucher, je fais 25 avec ma première. Ça touche. Et 6 plus 7. Et 16 de dégâts pour la première fois aussi. Sur la première mazette. Cheville. Allez. Mazette. Je fais couler le pus. Encore ou... Ouais. Ah oui, bah t'as ta deuxième attaque et t'en auras même une troisième en action bonus. Hein. 15 pour toucher. Non, là, cette fois-ci, ton coup part, mais de sa patte dégueulasse, il donne un coup de griffe et dévie ton arme. Dévie pour rien. Sans effet néfaste pour lui. T'as dernière attaque. La marque du chasseur sur ton dégât. Ouais. Et là, c'est l'attaque avec le cimetière. Tout à fait. Et je fais 16.
Non. Pour toucher. Et malheureusement, il te donne, un coup de bâton dans ton cimetière et t'avais pas prévu qu'il se défende de ce côté-là. Je peux te dire aussi, je ne le regarde pas dans les yeux. Bien sûr, tu peux me dire que tu ne le regardes pas dans les yeux. Je ne le regarde pas dans les yeux. Très bien, c'est noté. Dans les chevilles. Je le regarde dans les chevilles. C'est exactement. À eux de jouer. Et donc, je vais faire un jet de concentration quand même pour lui, parce que tu lui as quand même fait des dommages. Tu lui as fait 16 points de dommages. Ouais, donc ce sera. Tu lui as fait des dégâts. Et non, parce que non. Il maintient sa concentration. Et il est en train il sort les composantes de ses bourses. Et là, tu vois, c'est des vers, c'est de la chair en décomposition, tout un tas de petits pochons avec du pu, quoi, la putréfaction. Et il est en train de recouvrir ses griffes de ça, tout en psalmodiant en abyssal. Il dégoûte. Je ne te dis rien, mais voilà, il est totalement, et ses yeux sont en train de s'emplir d'une lueur verdâtre. Alors que autour, les Warat te chargent. Je ne vais pas pouvoir les mettre autour de toi, littéralement, mais il y a deux Warat qui vont t'attaquer. Bien sûr. Et ils vont avoir l'avantage. Ah. Et donc, le premier fait... oh là, oui, 23 pour toucher. Ça touche. Et le deuxième fait 23 aussi. J'ai fait exactement le même jet. Et donc, ils vont t'infliger... Alors oui, c'est la première fois qu'un PJ va prendre des dégâts. Mais sachez que vous profitez de la bénédiction de Jiangmu. Et donc, l'effet de la bénédiction de Jiangmu, c'est que vous êtes que résistant. Le linceul de Jiangmu, ouais, que vous protégiez. Bon, ouais. Et vu qu'on le protège, ça va... En fait, vous êtes dans la ville depuis suffisamment longtemps pour en profiter. Et donc, la protection du linceul de Jiangmu, c'est que vous êtes résistant aux dommages de tonnerre et aux dommages non magiques. Hmm. Oh, ah oui. Et résistance, ça veut dire quoi du coup? Tu divises par deux les dégâts. Ah, c'est bien. Ouais. Et donc là, je fais un total de 11 divisé par 2, ça fait 5. Tu prends 5 points de slashing damage. Oui, ça fait grotesque. Tous les autres PJ, vous avez tous cette bénédiction aussi. Qu'est-ce qui est des dommages de tonnerre? Il y a des sorts. Thunderstep, en tout cas. Chulun se fait attaquer également, ça touche, le deuxième, ça touche, et le troisième, ça touche aussi. Et il se prend... En fait, Chulun, il a la bénédiction de Jiangmu, et en plus, c'est un barbare en rage, donc lui, il divise deux fois les dommages. 14 plus 12, normalement, il prendrait... Tu l'as pas fait tout à l'heure. Non, mais je l'ai compté dans ma tête. Il a fait 14 plus 12, ça fait 26. Normalement, 26. Très bien, donc il ne prend que 6 de dommages. Mais les coups pleuvent sur lui, mais vous voyez qu'il a l'air d'avoir une peau faite de roche et ça a l'air de simplement l'effleurer. Mais il reste l'écume aux lèvres, prêt à rendre les coups. Et c'est de nouveau un nouveau tour, mais pendant ce temps. À l'autre bout de la map. À l'autre bout de la map. Petite mire avec Ilias. Ilias a repéré quelque chose. Allez. Oh. Bézard. Bézard. Ilias a repéré... Un PG. Que... Des Warat. Ah. Encore, bah oui. Hein. Il y en a beaucoup. Il n'y en aura plus dans la prochaine saison. Si, il y en a une. Restez à la fin. Bon bah lui, il est mort. Il est tombé, il est mort. Des Warat. Perds pas la boule. Protège. T'as dit quoi? Perds pas la boule. Protège deux cultistes. Mais c'est de la saloperie, les cultistes. C'est... Ça meurt facilement. Ouais, quand on a des sorts à distance. Ah. Et elle dit, dites-moi, allons nous en occuper avec les nobles chevaliers de Gostion. Ah, Ilias. On n'y va pas à deux, quoi. Ilias est là. Et il y a des nobles chevaliers de Gostion autour de vous. Il y en a quelques-uns, quand même. Oui, oui. Ça va. Vous n'êtes pas deux face à des Warat, je veux dire. Ouais, j'avoue, peut-être pas si bien lotis, vous.
Oh, ils sont cool. Oh, il y en a un qui est, ouais. Voilà. Extrêmement cool. Ouais, ils sont cool. Non, on n'a pas autant de monde, ils sont beaucoup plus cool que moi. Ce sont des Et Power Rangers. Là. Vraiment des Power Rangers. Ah. Ah. Et garde-en un petit peu sous le pied, puisque Corvinus est là aussi. Oh ouais. Mention spéciale pour la personne qui est venue en cosplay de Corvinus. Grave. Oh. Mort d'asphyxie, malheureusement. Probablement, je pense qu'il a enlevé son... initiative. Bien sûr. Il y a beaucoup de monde. Mon cher Dithmir. La même chose à gérer, on est deux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, deux et demi. J'ai 10 en dégueulasse qui pisse du sort. Et t'as zéro raison. Noble chevalier de pisse du cul. T'as raison, j'ai totalement oublié d'ajouter les gens du guet qui sont avec vous. Ah, voilà. Ah, bah oui. Oui. Je vous les ajouterai. Ça peut servir, ouais. C'est pas grave, tu as beaucoup de choses à gérer. Combien? 19. 19, stylé. Ilias. Il m'aime bien. Alors, Ilias te coiffe au poteau, puisqu'elle fait 20... Mais évidemment. 23. Je devrais avoir un malus parce que je suis occupé à la regarder, en fait. 23. Lui donne pas des idées. Les chevaliers de Gostion, en revanche, font de la pure merde. 3. Ok. Et Corvinus fait du 7. Oui. 17 avec sa voix, s'il te plaît. 17. Je peux pas la faire, je suis encore, pardon. Et les méchants sont à 19. Donc non, à... non, à 20. Ilias. Donc c'est Ilias en premier. Ilias qui va... Oh, Queen. Qui est là avec sa belle armure, ses deux lames, et qui se sert de ses lames. Elle fait une sorte de danse. Et il y a des symboles magiques, des ésotériques qui sont en train, des runes qui sont en train de se matérialiser, qui sont dorées, légèrement caramélisées, mm-hmm. comme ses cheveux et ses yeux. Mm-hmm. Et elle commence une danse, elle est gracieuse, elle est magnifique. Et l'énergie magique se concentre autour de ses mains et de ses lames. Et elle pointe ses lames vers toutes ces personnes et elle l'incante boule de feu. Et l'autre, il meurt. Je fais... c'est raté pour les Warat. Et c'est réussi pour les cultistes. C'est combien de dés de 6 en normal? Non, c'est 8 dés de 6, je crois. Boule de feu niveau 3, c'est 8 dés de 6. 8 dés 6. On est d'accord. Là, vous pouvez... Qui pose la question? 3, 4, 5, 6... Réfléchis à ton action, hein, Max. Mais je la regarde. C'est toute ton action, action ça? Action bonus, je la regarde. Et j'essaie d'effleurer ses cheveux. Tu respires son parfum. Et donc, les dommages... Il fait chaud. Ouais, il fait un peu chaud. 9, 12, 18... 18 et 2, 20... Et 8, 28. Il fait 28 points de dommage. Alors que le tonnerre retentit dans le ciel, puisque le ciel est couvert, les éclairs illuminent de temps à autre le ciel au-dessus de la ville, des alentours de la ville de Hyr, et cette boule de feu éclate et explose. Les cultistes ne prennent que la moitié des dommages, et ces trois-là sont bien affectés et crament, mais les Warat, c'est résistant, et donc ça... Ils sont pas encore totalement morts. Ils ont pris combien, t'as dit, pardon? Ils ont pris 28 points de dommages de feu. C'est ensuite à toi de jouer. C'est à moi. Je suis pas du tout à portée. Est-ce que j'ai le droit de faire un tir d'arbalète avant de... Ouais, tu peux te déplacer et faire un tir d'arbalète. Eh ben, je m'avance au maximum, évidemment. 6 là. Ouais, celle que je pointais. Ouais. Et je vais tirer sur lui. Tu tires sur lui, ça marche. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Et je fais 23 pour toucher. Bien sûr. Tu touches. Bravo. Allez. Ils sont en toge. C'est vrai. Et je fais 4 de dégâts. Ça lui sera sur fatale. Lequel? Sur le celui de droite, ouais. Oui, très bien. Très bien, très bien. Ton carreau se plante dans sa cuisse. Il pousse un cri. Et tu vois que il a l'air d'être assez affecté par tous ces... Voilà, c'est fait. D'accord. Est-ce que tu as une action bonus que tu souhaites faire? Non. Hop, très bien.
Est-ce que Trépide fait quelque chose? Trépide, il est dans mes pattes, ouais. Il est derrière je toi. Je vais passer la consigne de rester très près très à bien. Tout moment. Et les chevaliers de Gostion, il y en a deux qui sont au contact. Bon, lui aussi. Et donc, ils vont faire leurs attaques. Les autres se préparent en chantant dans la langue locale. J'adore. Il y en a deux qui touchent, le troisième rate. Et comme dommage, ils vont faire... je vais fluidifier puisque eux, ils ont subi de la... Beaucoup. De la boule de feu. Et donc, ça leur est fatal. Voilà. Tombe au sol. Yes. Merci les PNJ. Nouveau tour. C'est, Ilias s'est déplacé aussi. Hein. Pourquoi elle ne se déplacerait pas? Ah, elle va de l'autre côté. Corvinus, il joue pas? Corvinus, non, il reste à la distance. Mais il est malade. Hein. Il est un peu souffrant. Il toussote. Tout saute. Mais il est en train de ritual cast, donc ça prend un petit peu de temps. Et vous remarquez d'ailleurs aussi que les cultistes aussi sont en train de préparer, ils sont en train de préparer des incantations. Okay. Les Warat, c'est à eux de jouer. Bagarre. Ils incantaient à leur tour ou ils incantaient avant? Ils étaient déjà en train d'incanter. D'accord. Comme ils ont pris des dégâts. C'est vrai. Je fais leur test de concentration. Réussi pour l'un, avec avantage, car ils sont doués pour ça. C'est réussi pour le deuxième. Ok. Mais tu as eu raison de me le... C'est les règles. Les règles, c'est pas moi qui les ai écrites. très bien, les Warat, bim. Le premier touche, le deuxième touche. Putain, je fais des bons jets. Et les trois autres... Oh, le sel. Et les trois autres ratent. Touche, il touche. Donc celui-ci rate, tous les autres touchent. Hop. Faire des dommages. Et ensuite, ce sera à nouveau à. Ilias. À Ilias et qui? Et moi. Oh. Très bien. Ah non, pardon, les. Donc ça. Il y a les coups fusent entre les nobles chevaliers de Gostion et les Warat. Je vous donne pas les résultats parce que c'est pas très intéressant. Et c'est donc à Ilias, à nouveau, qui va s'approcher. Et. Mettre en tenaille ici afin de trancher dans les Warat. Elle rate sa première attaque. C'est pas possible. Si. Elle réussit la seconde cependant. Ah. Et elle fait. Elle a avantage. Elle a deux armes donc elle fait 14 points de dommage de son épée. Qui a l'air de luire d'une lueur magique. Mm. Voilà, maintenant c'est la fin de son tour, c'est à toi de jouer. 14 sur un Warat. Ouais, 14 sur un Warat. Qui d'ailleurs tombe, puisqu'il ouais. Okay. Il avait pris de la boule de feu. Ça marche. Ça lui est fatal. Ça lui est fatal, je ne vais pas le dire à chaque Warat, parce qu'on n'est pas rendu. Alors j'ai du mal à compter, 1, 2, 3, 4, je peux complètement aller attaquer lui sans tout prendre à fait. De... Oui, tu peux. Je ne me prends pas d'opportunité là. Non. Okay. Ok. Et bah, let's go. Let's go. Je fais 25 pour toucher. Ça touche. Voilà. Et les dégâts. Comme une modèle. Un déduit. Et je fais 11 de dégâts radiants. 11 de dégâts radiants, ça lui sera fatal. Et bah voilà. Oui. Bravo. J'ai fait combien de mouvements? 4. Elle fait 4 de mouvement, ouais. Bah, je peux faire 2 cases pour aller là. Tout à fait. Voilà. Allez. Ça. Je vais faire ma deuxième attaque. Allez. Et tu fais les deux. Et je fais pareil pour toucher. C'était, pardon. 25. 25 pour toucher, oui. Ça touche. Et je refais 11 de dégâts. Radiant. Lui, il n'avait pas pris un coup de carreau d'arbalète. Donc, non, il n'est pas fatal, carreau mais d'arbalète. Il n'est pas très bien en point. Et Trépide, il bouge de combien? Là où il est, c'est loin pour lui. Il bouge comme toi, de 6. Oh, fais chier. Il était une case derrière, c'est ça? Ouais. D'accord. Dans ce cas, Trépide, il va aller... Ah, attends, est-ce que j'arrête mon tour, déjà?
D'accord. Et Trépied va aller derrière lui, là, pour essayer de le planter. Voilà, il adore tuer des warats, donc il va faire très ça. Bien. Ah, attends, faut que je retrouve sa fiche. Ce chevalier va là. Ce chevalier est au contact, il y a à jouer. Trépied. Et vous voyez à la distance qu'il y a des warats supplémentaires qui sont en train de, de s'approcher. Eh, évidemment, Trépied fait un critique. C'est pas vrai. Si. 20 naturels. Bravo. J'ai même pas fait l'avantage. Magnifique. Et du coup, bon, c'est un dé de 6, donc je me rappelle plus. Donc 2 dés de 6. Tu fais 2 dés de 6. Tu doubles le nombre de dés que tu lances sur les dégâts. 2 dés de 6 plus X. Allez, 9 plus 2, 11 de dégâts. Sur, dans le dos du Warat. Non, ça lui est pas fatal. Okay. Oh, no. Eh non, parce que lui, il a pas pris la boule de feu. Ouais, bah écoute, il a que ça. Par contre, en action bonus, il peut... Il peut peut-être il se, peut se désengager, mais oui, il lui reste 2 cases de mouvement. Il lui reste 2 cases de mouvement. Bah, il va aller derrière Ilias. Ok. Il se désengage. Il se met dans les jupons d'Ilias. Ouais, juste là, si tu veux bien. Oui, très bien. Merci. Le placement te convient ? Oui, c'est parfait. Tu peux le tourner un peu vers le... Non, dans l'autre sens. Pendant ce temps. Nous revenons au front principal avec... Birzim, oh merci. Voilà, Birzim et ses géants. Birzim et ses géants. Seigneur Birzim. Et son frère. Et... Seigneur. On a justement, on va faire intervenir les géants maintenant. Bah oui. Oui. Début de tour. Bah, je vous laisse faire l'initiative, les géants. Bien sûr, les géantes. Les géantes. 14. 14. 19. 19, très bien. Alors, 19, c'est si toi qui arrives en premier. Qu'est-ce qui peut faire un malus d'initiative ? Une dex déplorable. Toi aussi, plein moins 20. Ouais, bah, ils sont plus forts que dextre. Non, bah, c'est pas. Et à la fois, ils arrivent sont suffisamment forts. Sur le avec côté. Leur bateau. Oh putain, c'est vraiment, ils sont... là. Ils font quand même pencher la maquette. Donc, ouais, ils font pencher la maquette. Je les décale un petit peu pour que ce soit plus cinématographique. Et donc, chère géante de feu, que souhaites-tu faire ? Parce que c'est toi qui agis en premier. Je ne reviens pas de ces chiffres que je lis. Tu te déplaces de 8 cases. Bah, je sais pas, je vais défoncer tout le monde. Hein. C'est une bonne idée ? C'est ça. Je t'en supplie. Bon plan. Donc, deux... Alors déjà, qu'est-ce que... Tu peux te déplacer. Tu vas dans la mêlée, là, en gros ? Oui. Avec ses jambes qui sont littéralement des brasiers. Ça va me faire tout drôle de refaire corbe autour d'après. Avec ma petite corne. Descends dans cette tranchée. Donc, j'imagine que déjà, ils font tous beaucoup les marioles. Il ne rentre pas, mais il va s'attaquer. Tu attaques au Minotaure ? Ah bah oui. Oui, chine en urbaine. Du coup, je veux pas dire de bêtises. Ma touche, c'est... Ta touche, c'est 2 attaques. Oui, c'est plus 11, oui. C'est plus 11, hein ? C'est très fort, hein, géant. J'avais un doute. Heureusement qu'ils sont avec vous. Oui. Voilà. Ils ont des bras très très longs aussi. Ouais. Du coup, mais non, mais qu'est-ce que je rajoute pour savoir à quel point je touche ? Alors, à quel point tu touches ? Là, c'est plus 11. Ouais, plus, d'accord. Tu fais ton dé plus 11, ouais, pour hit. Ouais, ouais, ouais. Et après, et les dommages, c'est... Ok, bon bah du coup je... Ah, 6 dés de 6 plus 7. Hein. Bon bah je fais... Ah, ça moins je fais 23. Gros effet de flamme. Je fais 23. Tu fais 23, tu touches le Minotaure. Voilà. Et c'est pas... Quoi les dégâts ? 6 dés de 6 plus 7. Plus 7, ouais. C'est plus une 7. Boule de feu le truc. Alors, c'est presque une boule de feu. Oui. Merde. Oui, mais bon. Mais il en fait autant qu'il veut. Et il a des bras... Après on fait les malins là, mais je pense qu'il n'y a pas encore les gros. Oui, bah oui. On est dans l'instant 24. Présent. 24. Mm. 24 de dommages sur un Minotaure. Oui, c'est noté. Très bien. Quoi ? Mais j'aimerais trop garder son arme. Ouais, ouais, ouais. Il bah, faut attends, avoir la chance de la manier. J'ai droit à deux attaques. Je peux faire une deuxième attaque. Eh, je peux faire une deuxième avec attaque. Avec cette même lame enflammée. Allez. Bon, let's go. Ensuite, ce sera... Non, toi, t'as fait combien en initiative avec lui ? 14. 14. Et donc, ce sera... C'est les mêmes caractéristiques la deuxième fois. Ouais, ouais, c'est toujours bah, nous, on a fait des jeux dégueulasses. Vous avez fait, ouais, ouais. Oui, c'est vrai, les deux frères dégueulasses. On a fait 5 et 3. Ah ouais, mais c'est génial. Bien. Eh bien, 29. 29, tu touches. T'as qu'un seul des 6 ? Ah, mais attends, je t'en ai... Ah, mais non, je suis prêt. Merci. 14.
Ce sera à toi ensuite. 29. Bon, bah 29, oui, d'accord. Attends, il n'est pas mort encore. Ça, store, c'est, genre... c'est des sacs à points de vie, hein, les Minotaurs. Ouais, mais c'est genre un peu plus de 70. Il vient, c'est 76. Ouais. Parce que t'avais fait 76. Il vient de prendre la moitié, là. Ouais. Mais bah, plus de la moitié, voilà. Il a pris 53. Donc, énorme géant de flammes qui fait des grands coups de lame enflammée, qui déchiquette les chairs de ce Minotaur, ouais. Qui a toujours l'écume aux lèvres, mais qui, son pelage commence à prendre flamme, il a les chairs carbonisées et éviscérées, mais il reste debout, il a l'écume aux naseaux, et il s'apprête à riposter, mais d'abord, c'est à la géante, géante de givre, qui a aussi des statistiques sympas. Oui, voir. Tout à fait. Mieux. Seulement, je pense que je ne peux pas marcher trop loin, donc je ne peux pas aller atteindre le T'as 8 troll. Cases. Ouais, donc. T'as 8 cases. Je vais faire lui voler son Minotaure. Ça paraît peu, mais c'est sûr. Et il lui reste plus grand chose, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est. Ouais, mais c'est fort. Tu attaques pas au gros d'abord. Tu m'attaques 8, ouais, tu, plus, peux hein. Atteindre, tu peux atteindre ici. Et non, non, mais regarde, la portée des attaques de, si je me souviens bien, 10 feet. Donc en fait, tu peux t'installer là, ici et taper allez. Sur le troll allez, au-dessus du Warat. C'est un peu humiliant. Depuis la tranchée. Très bien. T'as compté ma boule de feu dans les dégâts du Minotaure ? Très bien. Il avait pris de la boule de feu. C'était sur lui la boule de feu. Ah oui, oui, excuse-moi. Donc ça n'aurait pas été fatal alors ? Mon histoire ? Je sais plus. Si, puisque tu avais fait 30 et 4, ça n'était pas fatal. T'as bien fait de me le rappeler. Magnifique. Effectivement, on gratte tout. Non, mais vous avez raison. Salué, absolument fatal. Au revoir, petit Minotaure. Tu as été mignon. Mignon Thor. Non, ne va pas réclamer. Vous n'avez pas honte, je vous l'encourager. Quelqu'un l'a fait avant moi. Donc je vais m'attaquer au troll. Tu vas t'attaquer au troll. Tout à fait. Les lourds pas. Il se déplace avec un bateau au pied. C'est sa pompe. C'est vrai, chacun son style. Bateau, hein. Ou quoi ? Je veux quelqu'un très petit. Tu vas détester, donc je ne le dis pas. Si, dis-le quand même. Les chaussures, petit bateau, j'ai dit. Voilà. Mais riez, c'est bien. Vas-y, je te laisse t'as faire réclamé, les attaques. T'as réclamé, je voulais pas le dire. J'ai fait un naturel. Ah bah écoute, ça arrive au plus grand. Même moi. Mais j'ai deux attaques. Ah, ça c'est réconfortant. Vas-y, sur la deuxième. C'est genre, c'est un tout petit bouclier par contre. Je fais... Ouais, une contre. Ouais, c'est je fais 19. 19, tu touches. Pardon. Et hop. Mon autre dé de 12. C'est une sacrée hache. Hein. Une grosse belle. Hache de glace, oui, effectivement. Excusez-moi, j'ai perdu un dé de 12. Dé de 12, t'en veux un ? J'en ai un. Bah non, j'aimerais bien le mien, mais bon. T'as le mien aussi, non ? Tu le retrouveras pendant le tour des autres. Oui. Oui, 3 dé de 12. 10 du sut. Du sut. Non, pardon, plus 6. Ouais, voilà, c'est ça, 23. 23. Très bien. 23 points troll. De dommages sur le troll. Mon dé de 12. Oh, c'est trop bien. Fais-nous faire tout le temps des pénis. C'est kiffant hein, d'avoir des scores incroyables. Donc, le premier coup de hache passe au-dessus du troll qui est un peu voûté. Et le deuxième est ajusté et s'écrase dans le dos du troll qui pousse un grognement. Mais qui, comme toutes les créatures fidèles à Arawiti, a l'air très excité par la perspective mais de ce combat. Vas-y. Et le Minotaure voulait s'apprêter à rendre les coups, mais non, il a cédé. Décédé. Il a préféré mourir. Il a cédé. Cependant, il y a des Warats qui, alentour, se mettent sur le géant. Mais je peux pas le piétiner. Et non. Mais c'est pas dans ses actions. Et le Minotaure aussi va s'attaquer au géant de givre pendant que les autres Warat montent. On va mettre un peu près comme ça. Et donc le troll va s'attaquer. Toi, t'as un Warat sur toi, Pénélope. Un triste Warat. Une balayette. Il s'attaque à toi. Ouais, une petite balayette, une pichenette. Je fais combien ? Je fais 15 pour toucher. Non. T'as son... tout en haut. Bah non, ça touche pas. Ça touche pas. Donc, ça ricoche sur, sur le corps de lave de ce géant. Sans aucun effet. Contre le géant de givre, il y a un premier Warat qui fait 5, donc de la merde. Ouais. En revanche, le troll va essayer, lui aussi, vas-y. De s'attaquer à ce géant.
et il réalise un triste 16 pour toucher. Ça touche. Ah ouais. Et 21 pour le deuxième. Pas à poil. Ouais, il porte. 21, c'est oui, bon, d'accord. Et 21, ça touche. Ton... Très bien. Et je fais les dommages. Ça m'attendrait qu'il me tue très vite, attention. Hey, tu prends 19. 19. Non, 21 plus 19 ou... Non, tu prends 20, 19. 21, c'était pour toucher. Ah oui, pardon. Tu prends 19 points de dommage et beaucoup moins bien le deuxième. Eux, ils ne sont pas protégés par. Et 9, non. Et 9 points de dommage. Non, ils sont pas protégés par ça. Ouais. Le nombre de HP qu'ils ont, ouais. Tout simplement. Ok. Côté Warat et Légionnaire sur le front, ça s'égalise, comme toujours. Il y en a deux qui partent de chaque côté. Et c'est ensuite à Birzim. Que souhaites-tu faire, Birzim? Il reste du Warat qui traîne. Ouais, bah oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Lui, là, est agaçant. Ouais, vas-y. Donc, Eldritch Blast. Vas-y. Fais tes deux Eldritch Blast. KSO, il peut descendre. Oui, il va descendre. Montre géant. 11. Tu fais bien du feu. 11 pour toucher. Non, c'est pas suffisant. Pour info, 14 de classe d'armée. 25. 25, ça touche. Le deuxième. Là. Alors que le tonnerre gronde au loin. Que les, 9. Les nuages sont épais et lourds et sombres. 9 points de dommage. D'accord. Très bien. Bon, dans la bataille, on peut considérer que ça lui est fatal. Ouais. Ah, c'était lui. C'est lui, là, le scénario. L'autre. Ouais. Bravo. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu te déplaces. J'ai pas d'action bonus. Enfin, d'accord. Bon, non, je suis bien, là. Ok, très bien. KSO. Ah, j'ai oublié. KSO, il va descendre là où il y a deux Warat, j'ai l'impression, là-bas. Là. Je sais pas s'il y a de la place. À côté du légionnaire, là. À sa ici gauche. Ouais. Tout à fait. Il descend et il va attaquer celui qui est devant lui, là. Celui-ci ou celui-là? Celui-là. D'accord, vas-y. Eh ben, il a fait un naturel. Ah, mais ça arrive au meilleur. Voilà. C'est pas grave. Donc, il va utiliser sa deuxième attaque. Ouais. Le champ de bataille, là, il est compliqué. Et cette fois-ci, il fait pas l'habitude. 20 pour toucher. Il touche. Je vais utiliser une manœuvre. Oui, car il est capable de ça. Qui sera la pushing attack. Ouais. Et donc, du coup... Il y a un grand chassé dans le ventre. Pourquoi j'ai pas les dégâts? Attends, excuse-moi. C'est la lance, c'est un des 8. Non, c'est un des 6. Il n'est pas à la lance, il est au glaive et c'est un des 10. Ah oui, glaive, oui, c'est, oui, un des 10, vas-y. Oui, c'est une lance un peu plus balèze. Un des 10, c'est ça. Et du coup, avec la manœuvre, il a un des 8 en plus. Bien sûr. Car il est maître de guerre. Et donc, ça fait 10 de dégâts. 10 de dégâts. Ouais. Bon, allez, et il va utiliser... Ah, ok. Bon, juste pour le truc, il a un feat qui s'appelle Polar Master et donc du coup il lui met un coup dans la gorge et après il lui met un coup avec le pommeau comme ça et le Warat tombe dans la fosse. Ouais. Il tombe dans la boue. Il est efficace, KSO. Tu vois ça du coin de l'œil, Birzim, tu vois ton frère qui, comme à la manœuvre, il fait sur le champ de bataille, il fait honneur au nom de famille. Les géants, c'est un peu mes gosses en plus, donc je suis très fier. C'est une histoire de famille, c'est ça. Très bien. Plus servé. Eh ben, c'est de nouveau géant de flamme. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je vois pas bien ce que j'ai à mes pieds. Là, t'as un Warat là. Je pense que c'est deux là. Et celui qui est sur le Minotaur, là, ouais. Oui, tu peux l'atteindre. Allons-y. Hein. Allez, vas-y. Tu tranches dans le Minotaur. Une case, c'est 5 pieds. 5 feet, ouais, c'est une case. Eh ben, 22. 22, ça touche, ah, oui. Bien sûr. Et je vais te prendre tes dés. Ça va être pirate. Ah, vas-y. Ah, oui. 23. 30. 30, ça lui sera fatal. Et ben voilà. Ah non, c'est le Minotaur. Ah, papa. Ouais, Minotaur. Attends. Trop tard, tu l'as dit, trop tard. Ils ont applaudi. Ça lui sera fatal. Ça lui sera. Ouais. Ils ont applaudi, donc il est mort. C'est bon, il est mort. Et ben, du coup, que je peux faire de deuxième attaque, vu que c'est forcément sur la même personne. Non, non. Tu peux faire la deuxième attaque sur. Ah. C'est vraiment marqué. Ce qu'il y a écrit, hein. Ok. Ouais, mais bon. D'accord. Non, faisons confiance aux règles. One target, ok. Donc, la grande lame, on peut avec dire que la deuxième bonus, attaque, c'est en deux attaques qui vole dans les airs et coupée en deux par cette grande lame de flamme. Et, je regarde le petit seigneur et je lui fais... Et vous voyez quand même dans les airs des créatures. Oh, de la saloperie, ça.
Qu'est-ce que c'est? Des RV géants. C'est des RV des géants, oui, effectivement. Ce sont des genres de démons, créatures qui volent dans les airs. Et en fait, vous n'aviez pas vraiment prêté attention à ça, mais vous remarquez qu'ils sont en train de manœuvrer pour ramasser les cadavres. Oh non, 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 non. Enfin, les cadavres ou les blessés? Oui, il y a pas de... Enfin, si, il y a des blessés. Il y a des blessés. Enfin, je fluidifie un petit peu pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais voilà. Et donc, ils sont en train de s'approcher des gens mourants, agonisant au sol, et des blessés, etc. Et ils tournent comme des vautours dans le ciel. Vous entendez leurs ailes de cuir claquer dans le vent. Et c'est à toi. Tout à fait. Je voulais les défoncer. Hein. Géant de givre. Je pense. Ils doivent. Effectivement, je peux toucher celui qui est à ma droite? Te déplacer, oui, oui. Je n'aime pas les trucs qui... L'avantage d'un géant, c'est qu'il... Il a un reach de... Qui vole au-dessus de moi. Ouais, ouais. Donc, il a même une cible, qui vole. Mmh. Ouais, mais il est... Ouais. Il est en l'air. Putain, je viens... Excusez-moi, je viens de refaire un 1. Bon, allez. Ça arrive, c'est pas grave. T'as une deuxième attaque, ça arrive. Ça va pas deux fois d'affilée. J'avoue que c'est... Si. Et deuxième, je fais... Excusez-moi, je suis longue à compter. 22. 22, ça touche, bien sûr. Je te laisse faire les dégâts. Et soit lui fatal. Ensuite, ce sera... Okay. Ah, je peux déjà... Les monstres. 26. Ouh. De dommage. 26 de dommage. Eh bien, il est tranché en deux. Allez, bon, c'est de la chaleur. Chacune des extrémités, enfin des côtés de son corps et se givre sur place, et alors qu'il tombe comme un bloc de pierre au sol. Ça ne m'impressionne pas, j'ai l'habitude. Se brise au sol. Et comme c'est JB qui a peint ses figurines, elles se font one shot, c'est un classique. Merci JB. Donc c'est la fin de ton tour puisque tu as fait tes deux attaques. Tu peux te redéplacer si tu le souhaites. Là, il te reste 6 cases de mouvement, si tu as envie. Non, je pourrais me déplacer autour d'après. Très bien. Et donc c'est Owarat. Alors, le seul qui peut attaquer le géant de feu continue. Hein. Putain, de la merde. Je fais 9 pour toucher. Donc, ça rebondit contre la chair. Le troll, en revanche... non, ce Warat-là va essayer d'attaquer toi, géant de givre. Vas-y. Et réaliser... Ah, cette fois-ci, 24 pour toucher. Donc ça touche, je pense. Oui. Oui. Ouais. Et 9 de dommage. 9 de slashing damage. D'accord. Et le troll s'élance contre le géant de flamme. Il va essayer de l'attaquer à deux grands coups de griffes. Alors que tu vois que ses plaies sont en train de se refermer. Progressivement. Encore une saloperie. Et les trolls, ça régénère. La première attaque, le premier coup de griffe part. J'ai fait 14. Non. Donc ça marche pas. En revanche, le deuxième coup de griffe fait 23. Oui, je sais. Il y a un premier coup de griffe. Le géant dévie avec sa lame, mais ouvre un petit peu sa garde. Et le troll enfonce ses longs doigts griffus dans son abdomen. Et lui inflige. Non, c'est ça. Il lui inflige 9 points de dommage. Mmh. Ok. Il y a de la marge? Un petit peu. Un poil de marge. Il pourrait me toucher environ. Très bien. Et il y a un Warat qui s'attaque à Kaeso. Quoi? Il peut faire 26 fois ça? Facile. Le Warat sur Kaeso fait un habile 19. Ça rate. Je vais retenir ça. Et oui, car Kaeso... C'est un gros bouclier. A un très gros bouclier. Ah. Il écarte la menace d'un coup de bouclier. Est-ce qu'il a une réaction avec ses manœuvres? Non, il n'y en a pas. Ok, très bien. C'est de nouveau au frère Scantus. C'est à Birzim. Et ensuite, ce sera à Kaeso. Je vais Eldritch Blast lui, là. Ouais, très bien. Vas-y. Je t'en prie. 25. 25, ça touche. 7. 7, ça ne lui est pas fatal, mais il est touché par ton énergie infernale. Ok. Bouge pas. J'arrive, je reviens. 20. 20, ça touche. Ah. 13. 13, ça lui est fatal. Oui. Allez, je te laisse décrire comment...
ça lui arrive en pleine tête. Et la boule d'énergie ricoche sur son crâne ignoble et tape son aile et ça coupe son aile, il s'écrase comme une merde au sol. Il part en vrille. Exactement. Et s'éclate littéralement au sol. Je l'humilie. Il est éclaté au sol. Tu dis quoi ? Je l'humilie. Il est assez humilié, ouais, c'est vrai. Si seulement il n'était pas mort, il serait très humilié. Juste avant de mourir, il a dit. Juste avant. J'ai pas adoré. Peut-être pas nécessaire, il a dit. Peut-être pas nécessaire. J'étais déjà en train de mourir. Pas la peine de m'humilier comme ça. Très bien. Kaeso. Kaeso, bah, il va attaquer Loirat qui est à gauche. Là. Tout à fait. Vas-y, je t'en supplie. 26 pour toucher. Ça touche. Yes. 14. Et 9 de dégâts. 9 de dégâts, très bien. Et du coup, il va faire une deuxième attaque. Bien sûr, car il le peut. Et il fait 23 pour toucher. 23 pour toucher, ça touche, oui. Il va utiliser... non. Il avait déjà pris des dégâts. Ouais, il est assez... Ouais. Non, bah c'est bon. Tu n'utilises pas de manœuvre ? Non. Tu lui infliges ? Je lui inflige... 7 de dégâts. 7 de dégâts. Ça lui sera fatal. Ah, bon. Oh là là. C'est bon ça. Et du coup, il va aller. Il va se déplacer. Ouais. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au troll pour essayer de donner avantage ? Ouais. Il saute. Attendez. Dans la fosse. Ouais. Oh. Saute. Fais un test d'athlétisme. Allez. Pour voir à quel point c'est stylé. Puisqu'il a une vraie fiche, donc autant. 17. Du 7, bien sûr. Est-ce qu'il y a plus stylé que 17, non ? Il s'élance et pendant qu'il est en plein milieu du saut, il y a un éclair derrière lui, dans le ciel. Et pff, il se pose au sol, prêt à attaquer et à gêner le troll qui a maille à partir avec le géant de feu. Et les créatures ailées, la créature ailée qui reste en tout cas dans votre périmètre, va au sol. Et avec ses pieds griffus, va se saisir, je vais faire un jet quand même, 19, va se saisir d'une personne mourante qui est au sol et repartir dans un les humain airs. Ou un warat c'est un humain. Peu importe, ouais. C'est un humain. C'est un humain, mais tu sens bien que peu importe. Ouais. Bon. Et il y en a deux autres qui arrivent. Oh, merde. Oh, hé. Ah, merde. Qui sont dans les airs et qui s'approchent. Côté Warat, il y a de nouveau un légionnaire qui meurt de sa belle mort et un Warat qui meurt de sa belle mort. Oui, parfait. Pendant ce temps, du côté de la rivière. Le porte-peste. Le porte-peste. Allons-y. J'en vais à nous, ça va. T'inquiète. Je devrais m'en sortir. Ouais, c'est chaud pour vous. L'initiative, c'était Corbe en premier. Ouais. Mmh. Il y a les copains maintenant. Il y a les copains. Copains du guet. Oui, il y a quand même des copains, oui. Ça, oui, oui. Ils arrivent. Ils sont en train de... Ils avaient un peu de retard sur vous. Ils ont un petit look... un peu galère avec leur casque. Ouais. Descente. Des petits santons provençaux. Un peu comme les Romains dans la station. Ouais, c'est ça. Je... Mais il y a aussi des renforts de Warat. Ah, arrive. Vous faites niquer. Mais ils étaient déjà très nombreux, ils n'ont pas du tout besoin de renforts. Ouais. Genre, c'est une armée. Mais ils sont 14. Ouais, bah écoute. Les corps défoncés avec les cornemuses. Que fais-tu ? Oui, je... Action bonus. Ouais. Très bien, vas-y. Plus que jamais. Le jet d'attaque. Oh, bah super, 11, voilà. 11, c'est un échec. C'est un échec, voilà. Salut. Et ton action ? Eh bien, du coup, je vais attaquer normal. Tu peux potentiellement faire un sort, hein, si tu le veux. Ouais, vas-y, n'hésite pas. Une tiny hut. Tiny hut, c'est le moment, c'est vraiment le moment. La grosse voix. Bon, arrête, t'as plein d'autres trucs. Une transformation. Est-ce que ça vaut quand même le coup de faire un nuage de dague ? Alors. Qu'en pense le public ? Est-ce qu'il y a marqué, est-ce qu'il y a un petit C à côté de nuage de dague ? Oui. Ouais. Faudra maintenir la concentration. Bon, est-ce qu'il y a un petit C ? Je crois que non, mais je veux bien que tu vérifies à côté de Spiritual Weapon. Pas du tout. Zéro c'est concentration. C'est vraiment le sort le plus fort de ce jeu. Avec Polymorph. Moi, je pourrais... Avec Polymorph. Ouais. Donc, tu fais un nuage de dague ? C'est vrai que je pourrais transformer cette saloperie en lapin et on n'en parlera plus. Tu pourrais. Tu pourrais.
Si elle a raté son jet de sauvegarde, bien sûr. Non, d'ailleurs, je peux plus. T'as plus de sort de niveau 4 ? J'ai qu'un sort de niveau 4. Ah, et t'as fait Spiritual Open à niveau 4 ? Ouais. Ah, ok. C'est pour ça qu'elle m'aime beaucoup. Ah, quand elle touche. Bon. Donc tu tires à l'arbalète ? Je peux pas faire un nuage de dague alors ? Si, tu peux, bien sûr. Voilà, ça va toujours faire ça en plus. Hein. Il est quelque part. Là. Il est là. Hop. Mais j'attaquerai pas. Non. Ah. Ouais, mais bon. C'est pas, pas mal. Même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sur le, c'est sur l'oinolote. Hein. Ouais. Et oui, c'est un oinolote. Le, pour les gros nerds. Oinolote. Et il fera ses dommages qu'en début de tour prochain. Lui, ouais. Ouais, au début de son tour à lui. Pour l'instant, il est juste là et je fais rien. Tu souhaites te déplacer ou pas ? Non, je te reste bien planqué derrière ton. Très bien. Ensuite, c'est à Chulun qui va se battre comme un beau diable. Ah, il s'est réveillé ? Ah oui, oui, oui. Il touche et il rate, mais quand il touche, il tue. Allez. Voilà. Eux, ils arrivent dans tu la bataille. C'est bien le ward qui meurt, je trouve. Ouais. Allez, c'est quoi ça ? Incroyable ce bruit. C'est pas quelqu'un qui évanouit, j'espère. C'est le. Voilà, ouais. C'est, oui, oui, c'est le tonnerre. Non. Voilà. Très bien. C'est Hôpital. Le retour d'Hôpital. Mina, tu vas te faire attaquer par des warats. Mais allez-y, tu fais moi, il n'y a pas de soucis. Les deux. Non, je rigole, je rigole. Non, non j'ai fait 16 et 13. J'ai 14. 16. Tu as 16, ça touche donc. Et tu prends. Je te vois. Hein. tu prends 8 points de slashing damage divisé par 2 puisque tu as la bénédiction de. De Jean-Mu. Bien Jean-Mu. Très bien. Ensuite. C'est à toi, vas-y. Il y a de la bagarre. Ah oh, ouais, je vais continuer les chevilles. Tu vas continuer les chevilles, j'entends, je t'en prie, vas-y. Oh, un critique. Un vin naturel. Oui, allez, c'est le premier. Oui, oui. C'est le premier de la soirée. La faucille. La faucille. Donc deux fois, mais dommage. C'est ça. 3-4 même, puisque tu as la marque du chasseur. Ça aussi, c'est une attends, multiplié par deux. Attends, attends. Attends. Waouh, j'ai tellement pas compté, j'ai tellement pas faire du calcul. Combien plus combien, on peut t'aider 7 plus 1, 8. Plus. Non plus, donc de, plus 14. 21. Ouais. Voilà, 21. Non. Non, non. Attends, ah, bah, non. Je sais pas, moi, j'ai pas écouté au début. 14. 22. Voilà. Plus, de, pardon, plus de la marque du chasseur. 5 et 3. 30. Allez, le 30. 30. Non. Quoi ? Il te reste deux attaques, ça va. Il te reste deux attaques. C'est le dégueulasse, en fait. Ouais, le dégueulasse. Mais ouais. Le dégueulasse, il y a beaucoup de points de vie. Ah, ouais. Le putride. Ouais. Allez. Et c'est qui qui a 76 ? Et c'est un naturel, sauf c'est le dégueulasse. Tu es halfling. Je suis halfling. Tu peux relancer. J'ai un problème avec un aujourd'hui. Vas-y. Et pour toucher, je fais un 23. Ça touche. Je fais les dégâts. 2d6 plus x. 13 de dégâts. 13 de dégâts. Non, mais là, tu triches. Et je sors mon cimetière. Je te montrerai sa fiche après. Mon cimetière. Et tu sors ton cimetière et tu essaies de l'attaquer à nouveau. Il a des points de vie pas loin du géant. Putain, je fais 16. 16, ça ne touche pas. Il dévie à nouveau ton coup de cimetière. Décidément, cet angle d'attaque ne fonctionne pas. Incroyable. Et il est assez incroyable, oui. Je vais faire cependant son jet de concentration parce que tu lui as infligé pas mal de dommages quand même. Alexander, il est trop loin. 30 points de dommages à la première. Il nage bien. Et il a réussi son jet de concentration. Alors, et le deuxième, pardon, le deuxième, il a. Non, il a échoué. Tu as interrompu sa concentration. Allez! Pas avec ton coup critique, bizarrement, mais avec le deuxième. Donc il a maintenu sa concentration pendant que t'es en train de lâcher toute ta force et tout le meilleur angle pour le taper derrière les genoux. Et c'est la deuxième attaque de fossile, le petit coup, qui là, il le surprend. Et tu sens que tu as l'énergie magique verdâtre, c'est dissipé d'un seul coup. Excellent. Est-ce qu'Alexander peut venir lui mordre la cheville aussi ? Oui, bien sûr. Non, parce qu'il faudrait que tu utilises une action bonus et tu n'en as plus.
pour le faire attaquer. Ah d'accord, ah pour le faire attaquer. Après il peut se déplacer. Il va venir à mes côtés, ouais il va venir à mes côtés. Il vient à tes côtés. Très bien, donc c'est la fin de ton tour puisque tu vas pas te déplacer je pense. Si c'est la cornemuse qui le tue. Prépare-toi. Ouais, je prépare. Alors. Mais il est. Je pense qu'il nous a séparés. Il y a de la bagarre ici. On se vole les kills. Il est. On se fait jamais ça. Non. Il y a de la bagarre là. C'est au Warad. Les Warad vont avancer. Lui, il va continuer de t'attaquer, Mina. Lui, il va s'attaquer à lui. Il va s'approcher. Lui, il va s'attaquer à lui. Lui, à lui. Et lui, il va s'attaquer à Alexander. Il a une classe d'armure, Alexander. Ah oui, oui. Alexander a une classe d'armure. Je fais 14 pour le toucher. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Putain, Alexander est plus fort que bien. Il est mauvais, putain. Et encore, j'ai une armure. Bah, lui aussi, il a du cuir, il a des pots de confiture. Ouais, je veux pas ça. Alors, ça protège tout ça. C'est vrai. Oh là, le Warad sur toi fait 24 pour toucher, donc il touche. En deux saisons, il n'a rien fait. Et tu subis 7 points de dégâts divisé par 2, 3. Voilà, c'est bon. Tout le monde a joué, c'est de nouveau à corde. Du coup, en début de tour, mon nuage de dague agit, non? Oui, tout à fait. Je te laisse faire les dommages et je vais voir son save de Dex. Est une... Oh, j'ai fait un naturel, donc il va tout prendre. Bon, c'est peu, hein. Ça reste peu, mais bon. Ouais, ouais mais ça compte. C'est toujours ça de prix. Hein. 11. 11, très bien. Ensuite, c'est la cornemuse. Elle touche, elle fait combien? 23. 23 elle touche, effectivement. Et ensuite. Allez. Je crois que c'est moi. 12. Vous êtes tous 12 de dommage? Non. On n'est pas loin, mais non. Ah. C'est vrai, je suis rassurée à la fois. Alors je veux qu'il meure, mais. Non. Très bien. Et je tire maintenant. Tu tires, vas-y. Allez. Ouais, je préfère après lui tirer normalement. Normal. J'ai fait un vin naturel. Oh oui. Allez, cool. Tu sais quoi? Je te laisse faire chute. Oh, mais le mec est gentil. Tu pourras ajouter plus 10 au dommage. Donc, je fais deux fois mes dommages. Tu fais deux fois ton D8 et tu ajoutes ton bonus de Dex et plus 10. Parce que t'as sharp shooté. Non, moi, j'ai un D8 plus 4, donc... Donc ça fait 2 D8 plus 4, toujours. Plus 14. Plus 10, 4. Plus 14. Donc 2 D8 plus 14. Elle regarde, machine, là, dans le coin. La baguette. Elle regarde. Elle regarde. C'était important machine. De poser cette question. Shenden Yu, elle s'appelle. J'ai les paumes qui suent. Alors, j'ai fait le max avec mes dés, déjà, donc c'est pas c'est mal. C'est vrai? Ouais, j'ai fait 6 et 6. Ah, c'est des D8. Ouais, mais bon. Ça fait 12. Et 14. 26. Et 14, 28. 26. 26, 26, pardon. 26. Et voilà, c'était ça, hein, plus 14. Et ça lui sera. Attends, est-ce qu'avant de tirer, je peux la regarder et lui faire? Tu fais ça? Ouais. Au t'as moment juste où ton la... tir et ton carreau part, et qu'est-ce qui se passe? Déjà, je tire dans les couilles. Évidemment. Ils sont... Au-dessus de ma tête. Deux boules de pu. Deux boules de pu, mignonne. Qui dégouline le long de ses cuisses. Et la baguette tour, j'essaie de lui faire lire sur mes lèvres, je fais ma signature. Fais-moi un test de perception. J'espère qu'il y a quelque chose de beau à percevoir. Bon, ouais. Et d'ailleurs, inspiration pour déjà cet accent. 12. Tu fais 12. Ouais. Tu peux utiliser ton inspiration si tu le veux. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a vraiment un truc à... Fais-le, allez, fais-le. Vas-y. Fais-le. Enfin, allez, je vais vas-y. Non. Ouais, j'ai fait du 7, donc voilà. Franchement, j'ai re-inspiration. Donc ça valait le coup. 17, c'est suffisant pour revoir, remarquer qu'elle te fait un petit clin d'œil. Meilleur usage de l'inspiration, je crois. Je m'adosse au rocher comme ça. Je tombe, tu sais, je glisse le long du rocher, je tombe par. Oh. Et je retire cette figurine. Allez, salut, bravo. Aussi, mais cette fois-ci, il s'est pas fait one shot. Ouais. Combien de points de vie? Un beau salopard. Ça va ou pas, tu penses? Pardon? Combien de points de vie? Ah, vous voulez savoir? Ah bah oui. Il possédait 126 points de vie. Allez. Pendant ce temps.
Ah, il reste encore un... À l'autre bout. Ilias est venu ici à tuer ce Warat. Je fluidifie un petit peu, hein, comme ça on pense. Il y a un chevalier de Gostion qui malheureusement est tombé au sol. Mais en emportant un Warat dans la tombe avec lui, ici ça se... Chamaille. Ça se chamaille. Lui est mort. Lui aussi. Et c'est à Dithmir. Ok. Bah, je me décale pour avoir avantage là. Bien sûr, décalage choc. Et je fais 19 pour toucher. Ça touche. Ah mais j'ai avantage, pardon. Oui, oui, bon, bon, bon. Et je fais 12 de dégâts. Arrête. 12 de dégâts, alors que Ilias est en train de le gêner. Il ne te voit pas du tout le contourner. Et ça lui sera fatal, comment il meurt. Allez. Bah, elle est en train de se battre, et c'est pareil, de son point de vue, elle voit la Sunblade qui transperce vraiment au niveau du thorax, et une lumière. Le torse du gars, et qui ressort de lui. Et quand il s'effondre, je fais un grand sourire. Non, je la salue, je la salue. Et alors que vous célébrez votre petite victoire, lui finit par mourir. Vous voyez au loin, mais à quelques centaines de mètres. On pourrait arrêter de voir au loin des trucs. Dans une heure. Peut-être une demi-heure. Petite heure. Vous voyez au loin, à quelques dizaines de mètres de là, plusieurs créatures ailées rouges transportant des cadavres qui les jettent dans un même tas qui est en train de... visiblement grouillé. Et derrière ça, vous voyez des cultistes qui sont rassemblés en arc de cercle, les yeux révulsés, presque en transe, en train de psalmodier des phrases en abyssal. Et vous commencez à voir jaillir une lumière rouge du sol qui transperce à travers les corps agonisants. Et ça commence à pulser comme ça. Ouais, bon. Ilias te regarde. Je crois que notre épreuve finale est sur le point de se présenter. Elle se met en route. Pendant ce temps. Sur le mur. C'est physique, putain, j'ai fait mon cardio pour la semaine. Ah, ouais. Oh, c'est vrai que ça aurait été intervenu. Bon, ouais, on va finir ça quand même. Géant de flamme. Ouais, ça t'arrangerait que vous les fassiez pour venir, ouais. Vas-y. Tu as un troll. Ouais, mais il y a aussi des petits démons de merde, là. Les Warat. Non. Bon, bah, le troll, finissons le troll. Hein. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, je reprends ma bonne fiche. La prochaine émission du Bon Nerd. Peu intéressante. 14. 14 pour toucher sur le troll. J'aime bien faire des fiches. Découpe des fiches. Qui est vraiment nul. Pas bonne classe d'armure, quoi. Ouais. Ok. Il se régénère, par contre. Ah. 27, d'accord, très bien. Tu peux faire ta deuxième attaque. Ça tranche. Et ces plaies ont l'air d'être vraiment particulièrement... c'est sensible au feu, quoi. Entre... Voilà. alors, 26, à nouveau, ça je touche. 26, ça touche, oui, bien sûr. Il est dommage. Prépare ton action ensuite. Géant de glace. 8. Tu vas te retourner. Je vais faire 1. Oh. 22, 29. 29 ? Oui, bah, ça lui est fatal. Oui, ouais, avec heureusement. Ouais. Avec allez, repars. Il n'y a pas de mérite, quoi. Non, bah, on applaudissait non, pas. Non, mais si. Je mets 30 par. Je mets trop de morts. Déjà blasé, putain. Le géant plante son littéralement sa lance. C'est beau, Sa lance découpe en deux le front de ce troll qui s'éclate. Et KSO est juste derrière. Ah, il vient de faire un peu une signature de Birzim, le géant de feu. Et Kaiso n'est pas forcément hyper rassuré de... D'accord, cette énorme créature qui... on est dans le même camp, hein. Très bien. C'est ensuite au géant de glace.
Je vais attaquer le démon qui se trouve à ma droite. Celui-ci ? Qui vole. Oui, ouais, tout à fait. Très bien. Qui est en train de repartir avec un corps entre les serres de ses pieds. Tout à fait. Et par contre, je vais faire 12 pour toucher. Non, c'est pas suffisant. Ah, une deuxième attaque, si tu le souhaites. Dommage, tout à fait. Et je fais 24. Cette 24, fois-ci. Ça touche. Oui. Et je te laisse faire les dommages. Ensuite, c'est à Birzim et ensuite à Kaeso. Du côté des excellent. Légionnaires. 21 de points de dégâts. Ça lui est fatal, bien sûr. Ah. Voilà. Ouais, il est mort. Et je fluidifie un petit peu les jets et tout ça, mais la bataille suit son cours. C'est ensuite à toi, Birzim. Bon, déjà, Hervé virevolte au-dessus de lui, là, ouais, pour me donner l'avantage. Ouais. Et je vais l'attaquer, lui. Vas-y, Eldritch Blast. 20 naturel. Allez. Oui, c'est seulement 4 fois. Tu fais 2 dés de 10 plus X. Avec 4. Plus 4. Bah, un peu près, ça fait 10 bien maintenant de face. J'aimerais bien. 12. Vas-y, et t'as ton deuxième Eldritch Blast. Ouais, ouais, ouais. 11, ça ne fonctionne pas. Non. Mais avantage, mais bien sûr. Grâce à Hervé. Mm-hmm. Ça sert à quelque chose, ton familier, tu y crois pas, toi. Non, c'est Alexander qui sert à rien, moi, Hervé, je sais. Pardon ? L'appel perdu. Waouh, wow, la violence. Bataille d'emote dans le chat. 13. 13, non, ça ne sera pas suffisant. C'est le karma, ça. Attends. Ah non, si, c'est vrai. Non, ce ne sera pas suffisant. Ton deuxième Eldritch Blast tombe au sol. Ça te rappelle des souvenirs de tes débuts d'aventure, quand tes Eldritch Blast refaisait la déco des donjons. Ensuite, est-ce que tu souhaites te déplacer ? Non. Pas la peine. Kaeso. Est-ce qu'il peut monter, Kaeso ? Ouais. Eh bien, il monte, il va s'attaquer au Warat. Très bien. Il n'a pas l'avantage, hein, parce que Hervé ne l'aide non, pas. Non, je sais. Alors, sa première attaque, il fait 18 pour toucher. 18 pour toucher, ça touche. Et attends, j'ai lancé la deuxième direct. Vas-y. Pas dû, j'ai fait 14. 14, ça touche aussi. Donc, faire les dommages pour les deux. Pendant que ces deux-là sont en train de quitter le champ de bataille avec des victimes entre leurs griffes. Et je vais utiliser une manœuvre à la fin. Vas-y. 18 et 3, 21 de dégâts. Ouais. Et il fait pushing attaque, donc il a un save de force. Ouais. Totalement raté, j'ai fait 6. Totalement raté, et donc il recule d'une case. D'accord. Peu importe. Et t'as fait sa deuxième attaque ? Ouais, j'ai tout fait en combiné, là. Très bien. Donc il arrive, il lui met un gros coup de glaive avec le bouclier, il le pousse comme ça. Ouais. Non, je m'en branle pas du tout, j'essaye juste de faire avancer. Hop, meurt avec. Et ici, oui, non. On va se mettre à 2. Voilà. Bon, il reste un Warat. On s'en fout. Vous voyez la même chose. Vous levez les yeux et vous voyez qu'au loin, justement, les démons qui sont partis avec des cadavres entre leurs griffes sont en train de les déposer sur ce monticule de chair, ouais, agonisante, et que cette lumière rouge commence à jaillir du sol et dans une pulsation abominable. Et vous voyez que Kaeso se retourne vers toi, Birzim. Je crois que la bataille n'est pas terminée. Exact. Et il commence à s'élancer. Bien. Et ses hommes sont derrière lui. Mmh. Et poursuivent la charge. Pendant ce temps. vous, on va vous attendre, du coup. Ah, nous, on n'a pas fini. Hein. Il a fluidifié. Écoute, pendant ce temps, bagarre dans la rivière. Vous voyez la même chose, parce que ça sert à rien de tuer des warats, on en a déjà fait beaucoup. Et donc vous avancez, vous convergez, toutes et tous, vers ce dernier champ de bataille, qui n'est pas un décor impressionnant, je vous préviens. Mal. Ouais. Allez, ça parfait. Peut être droit. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Vous êtes en train d'arriver. On est beaucoup quand même là. Ah, on est enfin. Oui, mais là, c'est le début. Tu sais bien qu'il y a même Corvinus, c'est bon, il est revenu. Tant qu'on n'aura pas buté les cultistes, ça va rappliquer quoi. Non, mais les cultistes, le temps que vous arriviez,
ont terminé leur rituel. Ah. Et de ce monticule de cadavres agonisants, la lumière continue de pulser de plus en plus rapidement jusqu'à devenir continue. Et vous entendez un hurlement et une explosion. Les cadavres éclatent Arawiti, en fait. Et volent en éclats. Et vous voyez surgir un énorme démon. Sa peau est noire. Il porte des haillons rouges. Dans sa main droite, une très longue épée a l'air d'être en métal en fusion. Et il sort de cet orifice dans le sol. Il est là. Aïe, aïe, aïe. Je le mets comme ça pour que tout le monde le voit un petit peu. Vous pouvez voir dans le... Il est très grand, hein. Dans l'écran. Ouais, il est moins grand que le géant. Il est moins grand que le géant. Mais gamin. Son épée est cool. Son épée est très cool. C'est voilà. Zèle, mais putain, lui, en point de vie, ça doit être un catastrophe. J'ai déjà la flemme. On a les géants, voilà. Il y a les géants, ça tape fort, les géants. Il y a Corvinus. Il y a Trépide. Il y a Hervé. Ce serait tellement bien que ce soit Trépide qui donne le dernier coup au démon. C'est vraiment une belle histoire. Très bien. Eh bien, initiative, les amis. Y compris pour les géants. Ouais. Je fais KSO aussi ou pas du coup ? Nul. 12. 12. Alors, cette fois-ci. Alors, 11 pour moi, 8 pour le géant. D'accord. Nul et nul. Pareil. Bah, il y a le moins... Ah non, pardon. 7 pour le géant. Ah oui. Corbe, 11. Géant de feu, 7. 9 géants de givre. Et 10 du sut. Du sut. Pour toi. Mina, du sut. KSO. KSO, 4. Oh là là, mais alors ? On est sur un... Il est fort, mais... Oui. Pas très entreprenant. Et toi ? 23. 23. On n'a pas le même bonus, à la limite. Ouais. Dites-moi, 23. Et Ilias. Ilias, pas ouf, 6. Elle n'est pas si passée. Ok, très bien. Eh ben, on va commencer par Dithmir. Que souhaites-tu faire ? Allez. Toi, tu arrives. Arrive de la gauche. Eh ben, il y a un Minotaur devant moi. Il y a un Minotaur devant toi, tout à fait. Eh ben, j'ai Trépide dans mes pattes, toujours. Tout à fait. Donc, je vais envoyer Trépide faire le tour comme ça derrière. Ouais. Et moi, je vais aller en face du Minotaur. Très bien. Pour l'attaquer. Attends, je suis pas sur ma fiche. Du 7. Plus. Vraiment ? Non, au dé, mais après pour mon. Avec le bonus, ça fait 27, pardon. Pour 20. Toucher. Ça marche. Je vais faire une manœuvre. Ça touche. Hop. Alors, du coup, je suis à. J'ai mal à tout compter là. 2 déduites. Vas-y. Je vais faire une sneak attack. Vas-y. Je suis pierceur, je vais relancer mon 1. Vas-y. Et je fais 2. Ça fait donc 12. Décevant. 14 et 7, 21. Mm-hmm. Et attends, comme manœuvre, je fais laquelle ? Je vais faire Distracting Strike pour donner avantage à la prochaine personne qui l'attaque. Très bien. Je fais ma deuxième attaque. Vas-y. Je fais 16 pour toucher. Ça touche. Saison 14. Touche. Et je fais 10 de dégâts. Très bien. On a combien en tout, on a dit là ? Là, t'es à 31 de dommage. 31 ? Ouais. Non. Ah, tu tranches dans ses chairs. L'écume dans sa gueule. Ok. Les yeux injectés de sang et de haine. Ok. Et Trépide va l'attaquer du coup dans le dos. D'accord. Et du coup, il a avantage ? Oui. Merveilleux.
Et il fait... Ensuite, ce sera Amina. Et après, il fait plus de 16 pour passer à... Il fait 18 pour le toucher. 18 pour toucher, il touche. Et il lui fait 7 de dégâts. C'est pas mal, ça. Bah, écoute. Eh ben, avec sa petite épée. Entre les côtes, dans le dos. Vas-y, montre. Et il te regarde, genre. Ouais, mais maintenant, Phil, et du coup, avec son action bonus, il revient se mettre derrière moi. Il se désengage, ouais. Il se met derrière toi. Ça marche. Ensuite, Mina. Je vais mettre ma marque du chasseur sur un warat. Sur un warat. Sur celui qui est au milieu. Celui-ci, pardon. Là. Ouais. D'accord. Il est en face de moi. Très bien. J'avance avec mes faucilles. Bien sûr. Et je fais pour toucher 20. Tu fais 20, tu touches, bien sûr. Évidemment. 14 de dommages pour la première attaque. D'accord. Ensuite, je fais du set pour toucher pour ma deuxième attaque. 12 de dommages. Il n'est pas mort, mais... J'ai une troisième attaque. T'as une troisième attaque. Oui, bah oui. Vas-y. Ah non, t'as mis ton marque du chasseur en action bonus. Ah oui, pardon. T'as pas ta troisième attaque. En revanche, Alexander, on a une si tu... Et non, mais Alexander va s'avancer, se mettre derrière moi. Là, pour le moment. Très bien. C'est ensuite à Birzim. Je me souviens de ta potion. Ma potion ? Ouais, t'as une potion qui s'appelle Maximum Power. Je me permets de vous rappeler vos inventaires. Puisque vous c'est vrai, pas. Tiens, attends. D'où j'ai ça ? Je vois pas. Ça se réveille. L'effet de cette potion, c'est que t'as pas besoin de jeter les dés de dégâts à un sort. Ou la flûte. Max. Quoi déjà ? Pendant combien de temps ? Un sort. Ah, un sort. Bah, on va garder pour plus tard. Ouais. Mais je. Voilà. Mais, bon, bref. Je me rappelle plus du tout. Vous l'avez acheté au magasin de potions à Kustay, je crois. Ah ouais ? Ouais. J'attaque le même. Eldritch Blast. Ensuite, ce sera à Corbe. T'as une corne de terreur ou je sais plus quoi dans le sac sans fond. Ouais. 15. 15, ça touche ? Je l'ai pas noté dans mon inventaire. Ok. Si, si. T'attaques qui, Adrien ? Regarde dans ton bag of holes. 13. Regarde dans tes le dans même tes équipements. Que t'as attaqué. 13 de dommages, tu tues. Voilà. Ça lui sera fatal. Ta marque du chasseur, tu pourras, avec une action bonus, la remettre sur quelqu'un d'autre. Et de spell slot. Et deuxième Eldritch Blast. Celui-là. Vas-y. 26. Touche. Ensuite, ce sera à Corm. Je vois pas du tout cette histoire de corps. Bon, mais c'est pas grave. 11. C'est pas très grave. 11 de dommage. Très bien. Ça s'enfonce dans ses chairs. Il serre les dents. Et te regarde de ses yeux rouges. Et Hervé va par là, là. Hop. Très bien. Corbe. Elle n'est plus là, ma cornemuse. Hein. Quoi ? Elle n'est plus là, ma cornemuse. Non, elle n'est plus là. Bah, je vais la réinvoquer. Tu la réinvoques ? Oui. À quel niveau ? Bah, niveau 3, du coup. Niveau 3. La mets où ? Tu la mets où ? Je vais prendre le proche Minotaur. Le proche Minotaur ? Lui. Il a l'air surpris, non ? Vraiment pas. C'est en contre-branle. Fort bien. Du coup, elle va attaquer. Cette d'accord. Cornemusette. Mais elle est moins forte. Ah oui ? Eh oui, elle fait 19. Elle fait 19, elle touche. Il a pris de dommages. Et ensuite, elle fait 5. Et ensuite, elle fait 5. Bah, c'est toujours ça que les boches n'ont pas. Elle fait 5 points de dommage. Ton action. Tu sens le regard de Shen Denyu sur tes épaules. Bon, il faudrait que je fasse un truc stylé alors. La grosse voix. Ensuite, ce sera au géant de givre. Eh ben, je vais quand même refaire un nuage de dagues parce que quand même ça. D'accord. Marche bien plus rien. Et il faudra qu'il fasse un test de Dex et qu'il prendra les dommages. Très bien. Oui. Et ben, c'est ensuite au géant de givre. Oui. Le géant de givre va s'attaquer au même Minotaur là. Le corbe, ouais. C'est d'accord. Un peu, mais je pense qu'avec ma portée de mon bras,
Oui, les légionnaires s'écartent pour le laisser passer. Oui, bah, ils ont intérêt. Ils ont entendu les gros pas. Ils sont dit, on va le laisser passer. Ça marche, vas-y. Et je vais sortir mon énorme hache. Vas-y. Givré. Ensuite, ce sera au géant de feu. Oh yes. Ah. Je fais pour toucher 12. 12, c'est pas suffisant pour toucher, malheureusement. Eh oui. Donc, la grande hache de givre se plante au sol, mais il la déplante et s'apprête à... Combien ? À faire 11. À faire 11 ? Ça se plante à côté dans le sol. Il n'est pas encore, encore dans son élément. Il est toujours troublé par le fait que le seigneur soit... Toujours troublé, oui. Tout petit, quoi. C'est ça. Il est quand même petit, ce seigneur. Petit. Très bien. Géant de feu. Géant de feu. T'aimes bien quand je t'appelle géant de feu ou... Bah ouais, j'aime ouais, bien. C'est pas mal. Si on pouvait le garder, même après. Ouais, bah oui. Ouais. Va pour son, va pour son cousin, là. Ouais. Minotaure 2. Vas-y. Eh bien, je fais 30 pour toucher. Ça touche. Ça fait 19. Non, mais c'est incroyable. Il n'y a plus de fun. Si. Hein, ça... c'est toujours pas mal. Hein. Alors, c'est parti pour mes milliards de dégâts. Donc... Ensuite, ce sera Ilias. Bon, je peux déjà faire ce qu'il fait. 25. 32 pour le premier coup. Et ça lui est fatal. Putain voilà. Cool. Formidable. Est-ce que j'ai droit à un deuxième coup quand même? Le retour de l'épée. Oui, en fait, il le soulève du sol. Et du coup, bah, minotaure, et ensuite. Ça repart. Oui. Un deuxième coup l'achève littéralement au sol. Ah, c'est un deux coups que j'ai fait. J'ai pas un deuxième coup. Bah, c'est same target de toute façon. Ouais. C'est une seule target. Et de toute façon, t'as plus de mouvement là. Donc, bon, c'est bien. C'est la fin du tour de ce gars-là. J'arrive, je vais. Je peux te diriger vers. C'est Ilias. Et c'est Ilias. Ilias qui est toujours en train de faire ses danses magiques avec ses lames et qui se prépare à incanter un bon vieux Magic Missile. Ça nous rappelle. Au niveau 3. Pensez pour Arcel. Ouais. Magic Missile niveau 3, ça fait quoi? Ça fait qu'il y en a plein. Hein. Ouais, dommage. Et elle va faire ça directement sur lui. Elle s'attaque au gros truc, quoi. Et elle lui fait. Je me demande quand il va attaquer lui, quand même. Non. Bon, il va attaquer Ilias. Je pense qu'il va avoir les actions légendaires et tout, là. C'est-à-dire, il va elle lui fait, elle lui fait 15 points de dommage radiant. Ça part de ses lames et ça va se planter directement dans le corps de cette créature démoniaque. Qui ricane. Ouais. En haussant un peu les épaules. Ouais. Et justement, il s'approche. Il sort de sa fosse et s'approche. De la cornemuse. Ça vient. Non, il va s'approcher d'un adversaire à sa taille. Il va s'approcher du géant de givre. Ah, c'est là où on va voir. En écartant les warats sur son chemin, mais vraiment, il les écarte pas. Il fait des grands coups d'épée et les warats dégagent. Il les tue, du coup. Ouais, il les tue. Bon, enlève-les. Lui, là, sur le champ de bataille. N'hésite pas. Je sais pas si ça me rassure vraiment. Et il se met à attaquer. Donc, c'est une action légendaire, hein, puisque c'est une seule attaque. Sur le géant de givre, je fais 21 pour toucher. 21 pour toucher, bien sûr tu touches. Bien sûr je touche. J'ai la même très bien. Classe d'armure que Alexander. Les dégâts. J'ai la même classe d'armure qu'Alexander. Tu fais une action légendaire. Beaucoup de dés. 22 points de slashing damage et... Quoi et 8 points de fire damage. Parce que son épée jaillit de flammes alors que il l'enfonce dans le flanc de ce géant de givre. Et ça lui fait des plus de dégâts ou Non, peut-être, mais on va pas s'ennuyer avec ça. Pardon pour les gens qui sont vraiment. Il y a beaucoup trop de choses à gérer. Ensuite, c'est au tour de Kaïso. Ne me dis pas. Kaïso, quand tu es sûr. 67. Il est à portée. 10 plus 10. Kaïso. Bah, carrément, il va attaquer le... Vas-y. Le... Comment on l'appelle? De quoi? Ce démon. Arawiti? C'est pas Arawiti lui-même. Ah non, c'est pas lui. Oh, d'accord. C'est le... Moi, je l'ai appelé le héros d'Arawiti.
Attends, est-ce qu'il... Je suis désolé, je ne vois pas bien. Est-ce qu'il peut se glisser derrière là, pour avoir avantage? Tout à fait. Faire ça. Il est quand même en train de prendre en tenaille avec un géant de givre. C'est stylé, quoi. Ça n'arrive pas tous les jours. Vas-y. C'est naturel. Je fais deux attaques directes. Oh là là, nul. Vas-y. Bah, il fait 10 pour toucher aux deux attaques. Ah ouais? Ouais. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas. T'es troublé, non? Mais il peut. Je suis en train de perdre ma voix. Il va faire Action Surge. Action Surge, il refait ses deux attaques. Et il va retenter. Vas-y. Ah. Toujours avec avantage. Toucher. Hein. Ah oui, mais attends, j'avais pas fait avantage. Je suis con. Ah, donc c'est c'était la première attaque, pardon. Voilà. Et du coup, à la deuxième attaque, je pense qu'il va toucher la deuxième attaque. Il fait ce sera toi, 26 pour toucher. 26 pour... Oui, là, il touche. Oui, okay. Donc là, on est sur la deuxième attaque, pas dans le... Okay. Pas encore l'Action Surge. OK. Il fait 13 de dégâts. Il va utiliser une manœuvre. Vas-y. Je vais essayer le Disarming Attack. Vas-y, Disarming Strike. Voilà. Vas-y. Donc c'est faut que je fasse un save de force. DC 15. Oh, c'est beau. Je suis tombé sur le bord. J'ai fait... 25. OK. Et plus 6 de dégâts avec le dé de supériorité, du coup. OK. Et je vais quand même faire le... l'Action Surge pour ajouter deux attaques. Ensuite, ce sera de nouveau à toi de jouer, dites-moi. Non. Ce sera au démon, qui va se retourner sur KSO. 19 pour toucher. Lui faire une attaque. 19, non, ça ne touche pas. OK, deuxième attaque. Critique. Oh, un attaque. 20 attaques. Mais oui, c'est bon. Avec KSO, mais... bah, du coup, je vais utiliser la dernière manœuvre. Vas-y. Attends, là, ça fait 10. Ouais. Donc, ça fait du coup 2 dés de 10 et 2 dés de 8 de dégâts. Ouais. Eh ben, ça va faire 12 plus 4, 16. Ouais, j'ai vraiment fait de la merde. Et pas des bonus de fleurs, de force quand même? De fleurs. Bah, c'est une seule attaque en fait, donc il y a plus 4. Ouais. Voilà, okay. 16. J'ai fait 1, 2 et 3 au dé. Oh. Et. Ça va aller. Par contre, il a le Pole Master, donc il fait un dé de 4 en plus. J'ai pas de dé de 4. Tiens. Non, il faut que tu fasses une attaque. C'est une attaque en action bonus. Ah oui, bah bien. Tu fasses quand même un jet de... pour toucher. Elle est quand même avec avantage, j'imagine. Ouais. Et ça fait, je meurs de chaud, je ne vois rien. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, c'était un 18, pardon. 18 plus 16, 25 pour toucher. 25, ça touche. Ah, mais si, j'ai un dé de 4. Il a hésité. Ouais, j'ai hésité. Putain. Et donc, il refait 5 de plus. 5 de plus. Très bien, c'est noté. J'ai utilisé tout ce qu'il savait faire, comme ça c'est fait. Ouais, et c'est justement... non, ça va pas être à toi de jouer, ça va être à lui. Ça va être au grand démon, au héros de Harawiti, qui va se retourner. Encore ? Et attaquer... Ouais, s'il a des actions légendaires, figure-toi. et donc, pour toucher, il fait 18. Ça rate. Il se retourne. Oh ! Et KSO dévie avec son bouclier. Et son bouclier a un énorme volume. Et on voit le rougeoyant sur les flammes jaillissent. Il y a un ralenti à ce moment-là. Il y a un ralenti, ouais. Bien sûr. Et un gros plan sur moi qui fait « Oh !» Et c'est à Dithmir de jouer. C'est à Dithmir de jouer. Ça marche. J'ai pas fait l'initiative du démon. Ah, attends, je suis où? Du shot. Bon, il jouera juste après Mina. Après ça va. Trépine peut m'aider à distance, en fait, j'ai vu, puisqu'il est expert sidekick. Ouais, tout à fait. Donc, il va faire ça. OK. Moi, je vais aller là. Ouais. Pour attaquer Loarat. OK. Du coup, avec avantage, puisque j'ai aide. Vas-y. Ça touche. 24 et 18 pour toucher les deux attaques. Les deux. OK. Ensuite, ce sera Amina et ensuite au héros d'Arawiti. 9 et 7, 16 et 7 encore. Je ne sais plus compter. Voilà, 23, merci beaucoup. 23 de dégâts. Ouais. Et donc au total, c'était 23 au total tout en ouais. Ok. Et Trépide va venir le prendre en tenaille. Ouais. Yeah. Se jeter sur lui. Très bien. Ah, j'ai oublié de faire une sneak attack. C'est pas grave. Bah si, rajoute ton D6. Hein. Ah, ok. Ça se trouve, ça lui sera fatal. Non, ça faisait 23. Écoute, je rajoute le D6. Ouais, vas-y. C'est toujours ça de prix. 5. Ça ne lui est pas fatal. Très bien, mais Trépidou arrive dans le dos, se jette sur lui et fait 18 pour toucher. Il touche. Et donc,
En fait, le Psychic Expert, quand il a aidé, sa prochaine attaque sur la même target a plus 2 des 6 de dégâts. Wow. Bah, ah ouais. Ça s'appelle attaque coordonnée. Et énorme. C'est super. Donc il touche. Et ah, mais Trépide, il est niveau 7 maintenant. Il est niveau 7 en vrai, ouais. Je peux t'en rappeler des dés de 6. Des dés de 6, tiens. Il a pas énormément de points de vie. Et il est expert. Tu peux faire un autre ? 11, ah. Non, ça va aller. 11 et 3, 14. Ça lui est fatal. Oui. Bravo, Trépide. Comme c'est une attaque coordonnée, j'attaque le Warrap. Et je fais un petit signe à Trépide que je vois prendre son élan. Et au moment où il s'élance, je pousse le Warrap dans une direction et Trépide s'enfonce dans son dos. Il saute ouais. Entre les deux omoplates et il se laisse, pas tomber comme ça. Et le après, je laisse meurt. Descendre et je jette le Warrap. Il te regarde. très bien. Ensuite, c'est aux soldats. Donc là, les oppositions sont simples. Ça meurt. Ça meurt, ça aussi. Aïe. Je pense que Trépide me vole tous mes kills au final. Même pas la fin. Ça aussi, ça meurt. Ouais. Bah, il faut qu'on défonce le héros. Lui aussi. Pour ce que c'est. Lui aussi. Ouais, je crois. Ouais. Donc j'ai. Lui aussi. Il va être fort, fort. Ah, le géant. Lui va s'attaquer là. Lui ici. Et il va le tuer. J'avance un peu, hein, ah, si vous permettez. Voilà où on en est. Et c'est maintenant. Ah, Dithmir vient jouer. C'est Mina. À Mina. Vas-y. Que souhaites-tu faire ? Ta marque du chasseur est dans la nature. Il y a un minotaure ? Ouais. Il reste caché. Un minotaure ici. Eh bien, je vais aller voir le minotaure. J'ai l'avantage ou pas ? Il est en tenaille avec. Il est en tenaille avec personne. Et Alexander, il est trop loin. Je vais mettre la marque du chasseur. Alexander, il peut venir t'aider. Il peut venir. Il n'a pas besoin d'être en tenaille, en fait. Ah bon ? Il peut t'aider. Ok, bah alors il va m'aider. Il se met là, il t'aide, et toi tu te mets là, et tu. Et. Te lance ton action bonus. Donc pour placer la marque du chasseur, il te reste 2 attaques. Tout à fait. Je fais pour toucher. Ensuite, ce sera avec au héros. Avec avantage, tout à fait. Bon, j'ai fait. T'as raison. Non, mais c'était bon. Je fais. 27. Tu touches. Lui, il n'a rien. 12, je fais 10 du sut. Du sut. Deux dommages avec la première fois-ci. D'accord. Et deuxième attaque. Deuxième attaque. Donc, 22. 22, ça touche. Et je fais 13 de dégâts. 13 de dégâts, ça fait un total de 30. Super. Bravo. Tu le découpes. Il saigne à profusion, mais. Inspiré par la présence juste à côté de lui du héros d'Arawuti. Ah, il pousse un grand hurlement et s'apprête à te rendre l'appareil. C'est la fin de ton tour, c'est maintenant au héros, justement, qui va s'attaquer au géant de givre. Il va faire ses 3 attaques sur le géant de givre. C'est beaucoup 3. C'est beaucoup 3, c'est vrai. 27 pour toucher. Ouais. Et 16 pour toucher la deuxième. Ouais aussi. Oh, sérieux. Ça touche les deux. Ouais. Ok, très bien. C'est en merde. C'est vraiment en merde. Oh, tous ces dés. Ouais, mais je fais les deux attaques en même temps. Alors. Ouais, j'ai fait un très bon jet en plus. Et... Ça fait 18, 20, 25, 30. 34 et 2, 36 et 8, 44 et 14, 58. 58. C'est tout ? Non, plus, t'étais à 48 plus 14, non ? Ouais, donc 48, 58, ouais, c'est ça. Il me fait douter, le salaud. Oh, pardon. Faut faire un calcul, là, je crois. Non, attends. Non, c'est bon, là. Ça lui est fatal ou pas ? Non, ça lui est pas fatal. Bah, ah non ! Moi, tu vois, le laisser. Mais on n'est pas loin. Non, très bien. On sait pas. Donne-lui une baie. Ah, oui. Non. Tu veux pas mourir ? Non, c'est le... Pourquoi ? Il fait deux grands coups d'épée. T'es pas pote avec le littéralement dans l'abdomen du géant de givre. Qui sont sans coule abondamment à profusion. Il a combien ? Non, je te dis pas.
Ok, ok. C'était pour la narration, mais je respecte. Il pousse de grands... Il y a des cristaux de givre qui sortent de la buée, qui sortent de son gosier. Il a les yeux qui commencent à être écarquillés de fatigue et de douleur. Et c'est la fin du tour du héros. Il a bien bossé. Ouais. Moi, non. C'est donc à Birzim, effectivement. Corvinus, il fait pas des petits sorts de guérison. Non, il est pas du tout clair, Corvinus. Il va taper une petite boule de feu. Il boit une infusion avec du miel. Ah. Il va taper une petite boule de feu sur. Ah ouais. Ouais, c'est pas. Hein. Ah bah non, il va pas faire boule de feu. Il va faire éclair. C'est logique. Il va faire éclair sur le héros. Ah. Je fais son save de Dex. Vas-y, fais ton tour quand même. Attends. Save de Dex est réussi. Et donc je fais les dommages, mais je diviserai par deux. Vas-y, je t'en prie, hein, joue. J'ai une question. Ouais. Boire une potion, c'est une action bonus ou c'est une action... C'est une action bonus. Ah, si t'as un truc, c'est le moment. Hein. Mais ouais, vas-y. Bon, allez. Et donc, je bois la potion et je fais Blight sur le héros d'Arawiti. Allez. Je sais pas ce que c'est. Donc, il doit faire un jet de constitution de 15. Enfin, de... Ouais, il doit réussir un jet de constitution, difficulté 15. C'est réussi. Ah, le bâtard. Ah, désolé, ouais, j'ai fait 16. Ça fait combien de dégâts? Ça n'est que... C'est 12 plus 4, 6. C'est que 32. Et donc, ça aurait dû être... 64. Et c'est 32. Et c'est 32. 32, c'est quand même... C'est quand même vraiment... Juste, je me mets aussi, je mets ici, là, après. Là. 32. Très bien. Tu te mets où? À côté, là. Là. Ici. Ouais. Très bien. Tu te déplaces. Et à quoi ça ressemble quand tu draines son énergie vitale? Bah ouais, ça c'est que ouais, c'est une espèce comme si l'air se déformait un peu. Un mirage. Voilà. Et on a l'impression que j'aspire son énergie. Enfin, c'est littéralement ça d'ailleurs. J'aspire son énergie vitale. D'ailleurs, comme si on le suçait de. Enfin, on l'aspirait de l'intérieur. Et voilà, mais pas aussi bien que... Il se retourne vers toi. Il a un petit sourire carnassier. Je vais... T'as dit quoi, c'est elle, Ilias? Et il va prendre une action légendaire pour te charger. Il n'y a pas une attaque d'opportunité du géant? Le géant et KSO ont le droit à une attaque d'opportunité. J'ai compris. Allez, bien joué. Attends, ils vont peut-être me tuer. Du coup, on touche obligatoirement? Non, on fait un jeu d'attaque gratuit. Okay. Ça utilise ta réaction, mais... Je pense juste qu'il a... KSO... Il fait du 7 pour te toucher. Oui, bah oui. Pas terrible, cela dit. Ouais, il fait... Ouais, j'ai fait un sale jet. 16 pour le toucher. 16 pour le toucher, ça ne touche pas. KSO, il fait 21 pour toucher. Mmh. Ça ne touche pas. Quoi? Oh, le bâtard. Ok. Tu prends l'odeur du seum. 16 points de dommage slashing damage que tu divises par 2, donc 8. Et tu prends 8 points de fire damage. Donc tu es résistant toi, au fire damage. Ouais. Que tu divises par 2. Putain, t'as de la chance. C'est pas de la chance. Donc, tu prends 8 et 4, ça fait un total de 12. 12? Ouais, tu prends 12 points. 8 de slashing, 4 de fire. Alors que il lance un grand coup d'épée. Et tu vois qu'il réalise que t'es résistant. Il a un petit sourire de... amusant. Il me respecte. C'est du respect, tout simplement. Il dit pas amusant, il dit... Bon, c'est pas ce que ça veut dire. Ça se trouve, il a vraiment insulté ta mère. est-ce que tu souhaites te déplacer? Ben, non, il était fini ton tour. Oui, t'étais déplacé. Oui, je m'étais déplacé. T'avais rien de plus. Est-ce que Hervé fait quelque chose? Non. Il d'accord. Reste, non. C'est donc maintenant à Corbe et ensuite ce sera au géant de givre. Oh là. Le géant de feu, ça fait longtemps. Géant de feu. Ça fait très longtemps que le géant de feu n'a pas joué. Géant de feu joue juste après géant de givre. Figurez-vous. Très bien. C'est noté sur le papier. Juste, il s'est tellement fait attaquer le géant de givre. Non, c'est vrai, non, il a tout le temps. Bon, ben alors, la cornemuse qui fait bien, pas le figure, mais de bon. Sur qui? Sur le Minotaure? Ben, tant qu'à faire, oui. Finir le Minotaure. Vas-y, je t'en supplie. Finir. On se comprend. 18. Ça touche. Oui. Et
bois 11. Ouais. Eh si, c'est très bien. Ouais. C'est maintenant l'heure de mon nuage de dague. Qui est là? Oui. Moi. Merci. Ouais, le Minotaure, je crois. Enfin, j'en sais rien. En fait. Je sais plus où il est. Si, si, elle attaque le Minotaure. Voilà, quand même. Le nuage de dague, il est aussi sur le Minotaure. Et donc, il faut que je fasse un save de Dex, difficulté 15, je crois. Mais c'est pas à chaque fois, hein. C'est réussi. Comment ça? C'est à chaque fois que tu fais le jet de Dex? Chaque tour? Ouais. Ouais. Il est réussi, donc je vais tu prendre me la moitié. 12. 12, très bien. Oui. Ça virevolte et ça lui tranche les chairs, mais pas suffisamment. Mais ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Non, 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 ça lui touche et ça lui fait bouger. C'est vrai? Non, ça me fait plaisir. Je suis au cœur. Et alors moi, je suis tout là-bas. Eh ouais. Il y a un Warad devant t'es toi. Ici, il y a un Warad. Ah bah voilà. Pas loin de toi. Mais ben, faisons ça, voilà. Alors. Qu'est-ce que tu fais? Tu sharpshootes? Ouais. Oh, je sais pas si je vais sharpshooter. Ils ont 14 de classe d'armure. Je te laisse prendre ta décision après ça. Ensuite, c'est géant de givre et ensuite... Ouais, alors, tu m'as convaincu. Eh ben non, j'aurais pas dû... pas du tout, parce que je... Donne-moi le résultat. Pas. Enfin, ça fait 10. Du. Ouais. Ça fait du, donc ça ne marche pas. Il manque 4 trucs. Ça échoue, ouais. Effectivement. Bon, je me rattraperai avec le géant de feu. Oui, juste après. Géant de givre. Est-ce que tu te déplaces? Je peux pas aller encore plus loin. Sortir de la... Ouais. Non, on va dire que non, il y a des cadavres, il y a des trucs qui t'empêchent. Il y a mais la tu bataille. Peux te mettre là. Ouais, voilà. Le géant de givre, il va aller défendre son petit seigneur. Et il va s'avancer vers le héros d'Haroui. Oh, stylé. C'est normal. Tu vois qu'il t'aime bien. Attaque d'opportunité. Du minute. C'est normal. Bah, il a le stomat, donc de toute façon. Oui, c'est normal. Tout à fait normal. Il fait un naturel, donc vraiment. Il est totalement décontenancé. Et donc, le géant de givre attaque le héros d'Arawiti. Et pour toucher, je fais 26. 26, ça touche. Allez. Allez, fais-moi les gros dégâts. Ah oui, pardon. Il a avantage, non? Il a l'avantage, c'est vrai, mais bon... Attends, jamais si tu fais un critique. Critique, non, critique mais là, t'auras encore avantage à la deuxième, mais bien vu. Parce que 3D de 12, si tu fais un critique, c'est cool. 18 de dommage pour la noté. Première attaque. Et pour la deuxième... T'as avantage encore. Ouais. Je calcule... ouais, un naturel, heureusement, j'ai l'avantage. Je fais, pardon... 20. 20, ça échoue. Donc la première s'enfonce dans son dos, mais la deuxième ne parvient pas à passer ses défenses. J'ai noté. Géant de feu. Ben, je vais essayer de faire la même chose. Les deux géants vont protéger leur seigneur, leur tout petit beau, seigneur. Ça. C'est devenu le tout petit seigneur. Ils ont dit petit. Extrêmement petit. Leur mini seigneur. Le petit seigneur. Non, le géant de feu dit. Tu es très très petit, mais je vais quand même te défendre. Concentre-toi. Tu comprends pas le géant, tu comprends plus le géant. Ouais, c'est vrai. Mais je sens dans le ton qu'il y a un truc. Ouais, il y a une moquerie dans le ton. Allez. Non, ça va pas passer. 18. 18, non. La et deuxième. La deuxième. Allez, putain. 25. 25, ça touche. Yeah, yo. Allez. Allez, vas-y. Ton plus beau coup. T'as fait avec avantage parce que là vraiment t'as l'avantage. Ah bah oui. Donc j'en fais encore. Donc c'était la première, ouais, vas-y. Et la première, du coup, ça faisait. Ça touchait. 23. Ouais. Et ça touchait. Oui. Ah. Très bien. Donc les deux touches. Ah ok, alors on fait la première. C'est 22 ou 23. Ensuite, ce sera à Ilyaz. Mais non, 25. Qu'est-ce qu'elle va faire, Ilyaz? Ou je crois. Alors le premier, je mets 32. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. 12, 21 et 10, 31, 38 le deuxième. Allez. Wow! Oh wow! Ouais. Ça fait 70. 70, 70. Eh ben oui, c'est beaucoup. T'arrêtes de regarder. Ah, quoi? Arrête de regarder, c'est derrière l'écran. Je vois juste le nombre, je vois juste les dégâts qu'il a. Ouais, mais justement. Il fait un peu la gueule, non, quand même? Quoi? Ah oui, là, il en prend sérieusement plein la gueule. Ah. Et... attends, c'est des... Oui, non, oui. C'est des slashing. C'est du slashing damage, oui. Oui, oui. Donc, hop. Vous êtes 70... Très bien. Bon, il tape extrêmement fort. Hein. Donc, il y a quand même des impacts, mais ce sont
pas des dégâts considérés comme magiques, mais bon, ça fonctionne quand même. Il y a des impacts, quoi. Un héros de Harawiti prend des coups en hurlant de plaisir. Il est vraiment très heureux d'être dans le tumulte et dans la sauvagerie la plus totale. Et bah, il va... ouais, c'est quand même toi qui as fait le plus de dommages. Attends, est-ce que c'est à lui de jouer ? Non, pas encore, mais il va faire une action légendaire. En fait, c'est un peu quand il a envie, quoi. C'est tout le temps. Il y en a trois par tour, quand je veux. En plus de son tour. Mais je fais un naturel, donc c'est un échec. Ah. Donc il se retourne, mais ça passe totalement au-dessus du géant. Fou. Et voilà. Il y a un grand silence ça n'a pas d'effet. Dans la plaine. Il y a un... Les gens retiennent leur souffle. Ah non, bon, ça va. c'est ensuite à Ilias qui va faire deux attaques avec ses épées sur lui. Donc la bichette au milieu, là. Hop, bichette. Je fais 21 pour toucher sa rate. 21 pour toucher sa rate. Deuxième attaque. Et non. 17 pour toucher sa rate. Donc elle essaye avec, avec ses lames. Elle a avantage ? Oui, oui. J'ai joué avec avantage. Ah, d'accord. Ah, elle est vraiment... Bah, elle tape bien, mais j'ai pas fait des très bons. Et elle tourbillonne avec ses lames magiques, mais... Mais c'est très cool, en vrai. Ouais. Bah, elle se tape sur un gros béon, quand même. C'est la fin de son tour, malheureusement, et c'est ensuite à KSO, et ensuite, ce sera à Dithmir. OK. KSO, il va attaquer le Minotaur qui est devant lui. Ouais, vas-y. Du coup, avec avantage, parce qu'il est de l'autre côté. Tout à fait. Il fait 20 pour toucher, première attaque, mm-hmm. et la deuxième 18. Très bien. Ça touche Oui. Et je vais faire l'attaque d'action bonus aussi du polearm direct, comme ça c'est fait. Ouais, vas-y. 13. 13, ça touche pas. 13, donc, ça touche que pas. Les donc, deux attaques normaux. Qui touchent, soit 2 des 10. Hop. Ambiance. 6 et 8, 14. 14. Très bien. Ah, attends, il lui reste une manœuvre, pardon. Bah, je vais rajouter un dé de 8 sur une des actions. Ce sera plus 3. Ok. 17. Et il va essayer de faire. Disarming attack, donc c'est un save de force. C'est le démon. Difficulté combien ? C'est la puissance. 15. C'est les tam-tams d'armes. Donc sa hache tombe au sol. Il perdra son action pour la ramasser. Merveilleux. C'est à toi, Dithmir. C'est à moi, Dithmir, pas de problème, je change de fiche. Je vais mettre mon bouclier dans le dos. Ouais. Prendre ma Sunblade à deux mains. Voilà. Et je vais courir sur le héros. Ouais. Et essayer de l'attaquer. T'en mets tous. Très bien. Dans le dos. No. J'ai avantage là quand même. Ah là, t'as bien avantage. Ouais. J'ai bien avantage. Allez, c'est parti. Première attaque. Voilà. 27 pour toucher. Ça me touche. Allez. Ça va être long, je vous préviens. Je vais utiliser une manœuvre pour faire des dégâts en plus. Pardon. Ouais. Hop, un des 10 de dégâts. Je fais, je peux relancer celui-là, je fais 12 plus 7, 19 de dégâts. De dégâts radiants, hein. De dégâts radiants, okay. Tout à fait. 19. Je vais utiliser la manœuvre Distracting Strike qui donnera avantage à la prochaine personne qui l'attaque. Très bien. Deuxième attaque. En dehors de toi. En dehors de moi, tout à fait. Sans t'as déjà avantage, tout le monde a avantage. Voilà. 28 pour le toucher. Oh, ouais, salut. Il est fort. Ce serait pas un chevalier ? Un peu, hein. Je fais 13 de dégâts radiants. Très bien. Et je vais faire Action Surge. Ok. Pour lui refaire deux attaques. Vas-y. Finis-le. Je fais 29 pour toucher. Tu fais une petite manœuvre ? Je peux utiliser une manœuvre, ouais, évidemment. Vas-y. Et je vais utiliser ma sneak attack. Voilà, la totale. Ça fait 5, 12 et 7, re 19. Re 19.
Ok. Je fais ma dernière attaque. Étonné de la rapidité. Mmh. 22. Ça touche tout juste. J'ai une dernière manœuvre. Dernière manœuvre, vas-y. Tu peux utiliser au ton jeu, ouais, ok. Oui. Tant que t'en as. Tant que j'en ai, bah c'est la dernière. Un des 10. Et je fais 14 de dégâts radiants. Ça lui sera fait. Donc je mets mon bouclier dans le dos, je prends mon épée à deux mains et je le charge et j'arrive, je mets mon premier coup derrière son genou, si je peux atteindre. Bien sûr. Bon, en sautant, il s'incline un peu, je plante mon épée dans le deuxième genou pour l'incliner. Je passe en dessous de lui, il a l'air très grand. Plus grand. Je lui mets une grande taillade dans le bide pour qu'il s'incline. Et là, je prends une seconde pour le regarder et j'atteins la gorge. Et j'enfonce mon épée radiale jusqu'au bout. Je vais briller le plus possible. Wow. Et là, alors que c'est un démon d'obscurité, de ténèbres, la lame passe dans sa gorge, dépasse l'arrière de son crâne et brille de toute sa puissance. Et ses yeux rougeoyants s'écarquillent soudain. Et c'est la première fois que vous pouvez constater qu'il a peur. Mais c'est trop tard. Et Dithmir fait un dernier geste et son crâne se fend en deux, il s'étend. Allez. Il s'écrase au sol. En quelques secondes de stupeur, les troupes d'Arawiti autour sont là. Panique. Et c'est la première fois que vous les voyez fuir un combat. Et ils sont tous en train de partir en déroute totale. En train de se faire achever par les légionnaires, les membres du guet ou les chevaliers de Gostion. Tu vois un regard d'Ilias qui... écarquillé. Ça, tu salues évidemment. Sia. Et je regarde Birzim qui est à côté. Le tumulte de la bataille s'arrête, se calme. Tout le monde reprend ses esprits, pense ses blessures et se retrouve à l'intérieur de la ville. Vous êtes convié, évidemment, juste au palais. Ouais, quoi. Avant, je rends peut-être Somat au géant. Justement, j'allais y venir. Okay. Et alors que vous êtes sur le point de faire de tourner les talons, soit tu l'avais gardé en tête et tu te retournes vers les deux géants qui te regardent. Le géant de givre te dit... Alors, je parle plus la langue, par contre. Mais... te dis... Ce qui veut dire il m'a fait 13 points de vie. Le géant, il restait combien? 13 points de vie. J'ai failli tuer. Et le géant de feu fait... Je fais... une petite flamme. Et je pose un genou à terre et je leur donne Stomat comme ça. Ils font tous les deux des gestes de tête. Le géant de givre se saisit du sceptre. Du sceptre. Et tous les... du sceptre. Et tous les deux tournent les talons et s'en vont au loin dans la plaine. Et avec un dernier regard, tu observes que le géant de givre boite. Et il est très mal en point. Le géant de feu, il était à combien de points de vie? Oui, il était à pleine balle. À pleine balle, ouais. Voilà, ils ont fait leur office. Bon, et ils repartent au loin. Il s'en remettra. Dans la nuit. J'aurais pu lui donner une baie, ouais. Un petit point de...
c'est vrai que tu aurais pu. Bon. En même temps, c'était hyper lourd, donc c'est pas si mal. Et je rejoins les autres, du coup. Très bien. Ah, le... Ah, l'illustration. Hey, il est fort, hein, Sylvain. Waouh. Eh ben, dis donc. Oh, il y a Hervé. Je vois Hervé. Je vais l'acheter, en fait. Il me l'a faut. Il me l'a faut chez moi, en fait. Oui. Clairement. J'arrive. Non, oui, je sais ce que je cherche. Ma sœur. Et là, fallait qu'elle dise au moins une fois. C'est normal, c'est normal. Vous êtes donc toutes et tous conviés au palais où des soigneuses et des soigneurs sont là pour panser vos éventuelles blessures. Qui a pris cher? Pas grand monde, en fait, non? Non, ça va. Non, j'ai pris aucun dégât. J'en ai 3. Pareil. Rien? J'ai pris... Un peu quand même. Ah oui, mais heureusement que t'étais résistant. J'ai pris 12 dégâts. Pareil. Écoute, ça va, hein? Très bien. Mina, alors que t'es sur le point de rentrer dans le palais, tu entends une voix derrière toi? Une voix un peu aiguë? Mm-hmm. Un peu immature. Mm-hmm. Comme un adolescent. Qui fait Mina? Mina! C'est pas vrai, c'est toi, Mina? Tu te retournes. Et tu vois Mick Jen. un des deux jumeaux. Tes deux petits frères jumeaux, Mick Jen et Malsa. Il est en livrée de page. C'est un écuyer. Et il s'approche de toi et il a les larmes aux yeux. Et fait, Mina! Et il fonce vers toi, il gravit les marches du palais. Et je l'embrasse. Et je lui fais un câlin. Il saute dans tes bras. Je suis tellement heureux de te revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas me gronder? Non, 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 du tout. Non, mais parce que en fait, vous êtes toutes les deux parties à l'aventure. Et Malsor aussi, il est parti à l'aventure. Malsor aussi? Oui, il est parti dans le froid et dans le givre. Et moi, je me suis dit que je n'allais pas rester tout seul quand même. Alors, moi aussi, j'allais me lancer à l'aventure. Et je suis rentré au service d'un noble chevalier de Gostion. Ah, qui ça? Là, j'ai participé à la bataille. Oh, bravo! Oui? Bravo, ça va, tu vas bien? J'ai eu peur. Ah. J'ai peut-être fait un peu pipi. Moi aussi, ça m'est arrivé la première fois. Mais ouais, je t'ai vu te battre sur le champ de bataille, t'es forte. Avec les faucilles. T'as vu mes faucilles? Et t'as une faucille magique? Oui. Oui, oui. Ouais, oui. Quand je vais raconter ça aux parents. Enfin, je vais pas pouvoir rentrer tout de suite, mais... Bientôt. J'espère. Un jour. Ça dépendra de mon sire. Qui est ton sire? Il s'appelle... Je pensais que c'était important. Sire Ajdar. Ah, Sire Ajdar. Ouais. C'est chouette. Oui. C'est un très noble sire. C'est très bien battu. Bon, là, il est blessé, mais d'ailleurs, il faut que j'aille le soigner. Enfin, il faut que j'aille aider pour le déséquiper. Tout on se retrouve après ou... Oui, où tu veux, où tu veux. Au Poney Bougon. Rejoins-moi au Poney Bougon. D'accord. Je te ferai rencontrer mes amis. D'accord. C'est mon frère. J'ai retrouvé mon frère. C'est un jeune Alphine avec les joues bien rouges. Et une tête un petit peu... Des cheveux un peu ébouriffés, rouquins. Et il fait des grands signes. Bien sûr, mignon. Mon frère. Je crois qu'il s'en fout. T'as pas vu Malken par hasard? Non. Waouh, trop tôt. Quoi? On sait où elle est, en fait. Peut-être que... Ah oui, ça va. Non, je l'ai pas. On aimerait bien la revoir. Moi aussi. Je l'ai un peu revue en quelque sorte, mais on en parlera en vision. Ouais. Oui, on a des choses à se dire. Ah, oh, j'ai hâte. Oui, moi aussi. Il faut que j'y retourne. À tout à l'heure. Il va pour s'en aller et il fait demi-tour et il saute au couille. Il fait un grand bisou. Ouais, on est comme ça. Je suis trop content de t'avoir revu. Ouais. À tout à l'heure. À plus tard. Il va mourir très vite. Il repart. Et là, il se fait égorger par un bras. bon, il y a eu une réception, enfin pas une réception, mais
Vous êtes dans la salle de réception voilà, de la Bagatour de Shendanyu. Et il y a des gens qui vous soignent, éventuellement qui vous apportent des verres d'eau, et il y a des conversations, ça et là. Et il y a Kaeso qui s'approche de toi, Mirzim. Mirzim. Quelle tumultueuse bataille. J'en ai rarement vu des aussi fortes en émotion. Et je dois dire que je m'ai impressionné. Je comprends maintenant la voie que tu as souhaité poursuivre. Et je tiens à te dire que je suis vraiment désolé de la façon dont nos parents t'ont traité. Tu ne méritais pas ça. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est pas de ta faute, donc. Ça me touche quand même que tu dises ça maintenant. Et voilà, c'est le passé. Maintenant, on peut aller de l'avant. On se reverra sans doute, j'espère. Sûrement. Peut-être même volontairement, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir. Moi aussi. T'es pas mauvais aussi en bagarre. J'ai vu des trucs, c'était pas mal. Merci. Le bouclier, là. Mon bouclier, il va falloir que je le fasse réparer. Mmh. Et il m'a sauvé la vie, je crois. Je le crois. Et il trinque avec toi. Des étoiles dans les yeux. On t'aura plus un câlin. Corbe. Un bisou. Sans un regard. Qui vient du trône. Discret. Mais quand même. Tu t'approches? Ouais. Elle regarde Chulun, qui est pas loin. Assez blessé, mais bon, il est là. Il fait. Je lui fais. Serre les dents. Tu vois, ces mâchoires qui bougent sous sa barbe. Il s'éloigne un petit peu en traînant des pieds. Merci d'avoir été là. C'est normal. Vous avez prévu de partir bientôt ? Non, j'ai pas vraiment d'obligation tout de suite. J'ai un rang à tenir. Mais je reste une femme. Fait chaud là. Quelqu'un viendra vous trouver. Prenez Bougon, ce soir. Et demain, nous retrouverons notre rang. Ok. Enfin, si vous le souhaitez. Ok. Très bien. Allez-y, allez-y. Et je m'en vais. Retourne. Si on marchait droit. Dites-moi. Ilias s'approche de toi. Sire. Sire. Elle s'approche vraiment proche. Près de ton oreille. Pas dans un élan de séduction. D'accord. Plus de discrétion. Ouais. Elle regarde autour d'elle, personne n'observe. Trop. Elle se penche à ton oreille et te dit... Je lui fais un message. Elle se penche à ton oreille, elle te dit... Je sais très bien que vous n'êtes pas Dithmir d'Herblain Elis. Mais... Je crois comprendre pourquoi vous avez pris son nom. Mais j'aimerais bien savoir votre version.
Vitmir est le chevalier le plus noble, généreux et courageux que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie. Et ça a été aussi le meilleur des maîtres. Et son nom mérite d'être célébré en Gostion. Mmh. Bien plus que le mien. Et je consacrerai ma vie à ce que son honneur soit célébré. Ce que vous avez déjà réussi. Tu fais vraiment ça? En fait, j'ai un... Je me redresse de... Je vais pas pleurer là tout de suite. Mais si ça continue, oui. Mais effectivement, je serre un peu le... La gorge. La gorge. Et je lui dis, vous m'honorez au plus haut point. Quel est votre nom, jeune guerrier? Votre vrai nom? Je prends un petit pas de recul et je la regarde dans les yeux et Izaïr. Izaïr, vous connaissez mon rang? Je connais son rang. Tu peux me faire un jet d'histoire? Ce sera maximum 10. Non, pardon, j'ai un malus, donc 7. Non, tu connais pas son rang. En revanche, tu as pu observer quand même que tous les chevaliers de Gostion que tu as vus sont tous extrêmement respectueux avec elle. Mm. Et qu'elle a certainement un titre de noblesse bien haut. Mais depuis que je lui ai dit mon nom, en fait, j'ai le regard un peu baissé. Et je n'ose pas trop la regarder, je lui dis non, sire. Je suis duchesse. Duchesse. Je suis duchesse, je fais partie de la lignée royale. Ce titre, je suis habilité à adouber. Le mec a pas compris. Tu n'as pas compris ou tu fais le mec qui a pas compris? Non, je fais le mec qui a pas compris, quoi. En fait, je la regarde toujours pas. Elle dégaine son épée. Oh là là. Autour de... Moi, je fais... Oula. Autour, les chevaliers de Gostion tournent tous la tête et il y a certains convives, Birzim, qui regardent. Il va la tuer. Ça va? Elle utilise prestidigitation pour avoir... une voix assez forte. La grosse voix. Du coup, je mets un genou à terre. Justement, juste avant, elle dit « Izaïr, mets donc un genou à terre. » J'obéis. Les gens ont l'air de comprendre aux alentours. Qu'elle ne va pas te tuer. Je dis à Mina, c'est bon. Il ressemble vachement bien. Tout va bien. Moi, Ilias Dervishi, duchesse de Gostion. Mon sang est le même que la dynastie royale de Fisnik. En ce jour glorieux, je souhaite que toutes les personnes originaires de Gostion repartent chez elle avec la gloire de Dithmir d'Herblain Elis. Que tout le monde chante ses louanges, sa gloire et son honneur. Par ailleurs, vous serez toutes et tous témoins de l'adoubement ce jour par les pouvoirs qui me sont conférés, par mon sang, par ma noblesse et par mon titre. Du sire Izaïr de Tessar d'État. Enfin, je note. Et elle pose son épée sur tes deux épaules. Et sur... Fais-moi un test d'histoire à nouveau. Oui. Ok. Je peux 7. Le... Tu peux le guidance de loin. C'est quoi, c'est un dé de 4, guidance? Ouais.
Ouais. Allez, fais-moi 10. J'ai fait 1, donc 8 en tout. T'as pas d'inspiration ? J'ai pas d'inspiration. Désolé. Tant pis. C'est pas grave. Mais quelqu'un dans l'assemblée fait « Oh !» Non, non, mais... Il y a Trépide, pas loin. Tu regardes de côté. Je regarde par-dessus mon épaule. Donne-lui ton épée. Donne-lui ton épée. Ah, oui. Je fais comme ça. Tu dégaines. Donc, c'est la rapière. La rapière. Ouais, la rapière, du coup. Et tu la présentes à Elias. Meilleur écuyer. Je vous nomme Sire Izéhir de Tessar d'Etar. Et que tout le monde célèbre votre noble nom. Autour, les sires de Gostion te regardent et te font des révérences et des signes de tête. Bah, je regarde longtemps le sol, le temps de comprendre. Levez-vous. Et quand je me lève, je regarde par terre longtemps, puis après je la regarde vraiment en face. Et je dis merci pour cet immense honneur. Et après je regarde l'assemblée et les autres chevaliers, du coup, d'un air confiant. C'est mérité. Maintenant, célébrons la victoire. Et nous, non, quoi. Avec plaisir. Et je reviens vers vous, genre. Ça va ou pas ? La soirée se poursuit, tout le monde profite des festivités, boit du vin, se raconte des anecdotes de bataille, les gens vous sentez la vie reprendre ses droits dans cette pièce. Birzim et Mina. Ah bah oui. Votre attention est attirée vers un coin sombre. Alors que vous n'êtes pas forcément à côté l'un de l'autre, mais vos deux regards convergent dans les ombres. Et dans les ombres se dessine un visage familier, diabolique. Hervé. Pas Hervé. Et vous entendez résonner dans vos têtes la voix d'Isati qui vous dit « Je commence à m'impatienter. » C'est là-dessus qu'on va terminer la saison. J'espère que ça vous a plu. On m'a dit que vous étiez nombreux et nombreux dans le chat. C'est super et ça fait très plaisir. Je vais procéder à quelques petits remerciements. Si j'oublie des personnes, je vous prie de m'excuser. On a essayé de se concentrer pour faire une liste, mais il est possible que j'oublie quelqu'un et je m'excuse à l'avance. Je vous prie de m'excuser à l'avance. Et je vais donc regarder mon téléphone pour n'oublier personne. D'abord, l'équipe technique. Valentin, Flo, Latifa ce soir, mais Flo Sim aussi habituellement. Will, Dorian, JB. Je crois que j'ai oublié Will, c'est ça, qui était là ce soir. Flo. Flo, bien sûr. Mmh. Flo à la lumière. Je pense aussi à Wissam qui a parfois fait des émissions avec nous et Max aussi de Gozulting. Gozulting, les moyens techniques et la réalisation ce soir. Et grâce à vous. Merci ça. Bravo, merci. Encore une fois, merci beaucoup à l'Atomic 4 de nous avoir reçus. Et il est encore l'heure d'aller boire des coups et passer des bons moments toutes et tous ensemble pour les personnes qui sont là. Merci pour votre accueil, c'est vraiment trop cool. N'hésitez pas, c'est 6 passages tirés dans le 11e à Paris, métro Bastille ou le Dru Roulin. Si vous habitez Paris et que vous aimez bien le JDR, je pense que vous serez bien accueillis ici. Voilà. Ouais.
Merci beaucoup à Luciano Sterling, génie de la musique, qui nous a fait l'honneur de jouer. De jouer en direct. La sublime mélodie qu'il a composée avec Max. Merci beaucoup, Luciano. Vous pouvez retrouver son groupe Knuckle Down sur toutes les plateformes. Et bientôt un album qui arrive lourd, je crois. Faut streamer fort. Et enfin, merci beaucoup à Joe. Merci à Joe Hume d'avoir été. Il a dû partir parce que il a un travail qui s'appelle la matinale de WFM, donc il se lève très très tôt. Donc on l'embrasse bien fort et voilà, merci pour lui. Merci beaucoup à Sylvain Ferret d'avoir été là tout au long de cette soirée, d'avoir réalisé cette illustration incroyable. Et si vous, voulez retrouver son talent dans cette BD, c'est à partir du 12 janvier. C'est édité par Glénat. Et merci à Glénat de nous avoir fourni des BD à gagner, notamment. Voilà, il me reste à remercier Damien Marie qui nous a accompagnés pendant ces deux saisons, ainsi que la Française des Jeux en les personnes de Florian San Giorgio et JB Jean-Baptiste, je crois, Mopa Udino. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant deux ans. Les équipes artistiques et créatives, Ben Renaud, Nekoto, qui nous a fait toute la charte graphique et tous les logos du Bon Nerd. Merci à lui, on pense à lui. Julien Mindel, qui est un peintre émérite et qui a notamment peint. Il est là ce soir. Et comme il est là, il ne peut pas spammer son Instagram dans le chat. Si, je suis sûr qu'il l'a fait quand même. Mais ça fait partie du rituel. Et Tiffany, qui est juste à côté de lui, Tiffany Uldry, qui est l'illustratrice officielle de la Bonne Auberge. Merci aux aubergines qui nous ont aidés de la communauté. Je pense à Goldie, Crib, Lindori qui ont fait la porte ce soir. Mais aussi Tonton Nico qui a participé à l'effort de guerre. Je pense aussi, je le vois ici, à Bob de Sponge qui a fait de la peinture de décor, etc. etc. Je pense aussi à Lucas qui imprime la majorité de nos figurines en 3D, en résine. Donc merci beaucoup à lui. Si j'oublie des gens de la communauté, enfin, vous vous reconnaissez, vous savez qui vous êtes, les piliers, vous êtes dans nos cœurs et vraiment la meilleure communauté que je puisse imaginer. Je suis très fier et très heureux de vous avoir autour de nous. Vraiment, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci aux joueuses et aux joueurs, vous êtes géniaux. Voilà, vous êtes formidables. Non, c'est toi. Pour le moment, la bonne auberge. Oui. Voilà. Je mets tout ça dans mon petit cœur, merci. Ça va me réchauffer pendant la fin de l'hiver. Pour le moment, la bonne auberge va fermer ses portes. Mais ne soyez pas trop tristes, parce que, en tout cas, nous, on a envie de la faire continuer d'exister. Et je sais qu'on est accompagné par Florian notamment. Et Max va prendre encore plus de place. JB aussi, qui va devenir plus encore que le couteau suisse qu'il est. Et on va tous et toutes, continuer de s'investir et d'être à fond. Et on va avoir besoin de vous sur Internet, de vous qui êtes là. Parce que il va falloir donner une petite impulsion, un élan. On n'a pas encore tous les détails, je ne peux pas vous les donner parce qu'il y a beaucoup de discussions qui sont en cours, etc., etc. Mais nous, on a envie de laisser la bonne auberge fermée pour la saison 2, prendre un peu de temps, faire des travaux dedans et la rouvrir de manière encore plus belle. Donc restez attentives et attentifs. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux si vous pouvez, sur Insta, sur Twitter essentiellement. Et il y a le Discord aussi qui est formidable pour avoir toutes les nouvelles. Mais en tout cas, nous, on a envie de revenir. Donc ça va peut-être prendre quelques semaines, quelques mois. Mais on a envie de revenir pour une saison 3 qui sera encore plus extraordinaire. On sera là. Je sais.
Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. J'ai oublié la team Wiki, mais vous savez qui vous êtes. Pétale, Edwin, Tardigrade. Voilà, les piliers, hein, je les ai un peu mentionnés comme ça. Manon, voilà, vous savez qui vous êtes. Voilà, bravo à vous parce que vous faites un super travail aussi. Donc ça y est, j'ai terminé de parler. Ça suffit, maintenant on va boire des trucs frais. Grâce au personnel de l'Atomic Cat. Merci beaucoup d'avoir été là, votre soutien, c'est une vraie force pour nous. On vous aime fort. Bon, après, pas personnellement, hein, on se connaît pas. Mais votre soutien nous apporte beaucoup d'amour et de ce fort, comme on dit. Voilà, merci beaucoup. On va revenir dans pas très longtemps. Jusqu'ici, le dimanche, vous aviez le blues. Maintenant, vous aviez la bonne auberge. Pour l'instant, on ferme, mais on va rouvrir bientôt. Bonne soirée.